Il y aura un tatouage de faire les réalités pour vous appuyer. Bonjour à tous en cette nouvelle matinée. Veuillez nous excuser pour le retard. Nous débutons nos travaux et je demande à notre secrétaire général de bien vouloir nous faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, c'est par lettre du 1er février 2013 que les élus de l'Assemblée ont été convoqués. Je vous en fais lecture. Mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire le jeudi 7 février 2013 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par le président Jacques Hydrolet. Merci. Je demande à madame le secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants présents. Bissou Jean-Christophe Watemi, Brodien Rosine Watemi, Chavi Daphné Watemi, Cross Valentina Watemi, Jacques Hydrolet Watemi, Flos Gaston Watemi, Fribourg Joël Wamairi, Fritz Edouard Watemi, Galno Minari Watemi, Anderson Georges Watemi, Irshon Onotea Watemi, Irititeura Watemi, Isal Heifara Watemi, Jennings Etone Patricia Watemi, Kautei Benoît Wamairi, Kohomoitini René, Watemi, Lison Marcelin, Watemi, Mama Tehutapo Victor, Watemi, Manuthe Levi Agami Sandra, Watemi, Maraya Emma, Watemi, Mare Urateina, Wamaeri, Maritira Gimeruto Lilian, Watemi, Matawa Leoni, Watemi, Matawa Mairon, Watemi, Mati Juliana, Watemi, Mersuron Armel, Watemi, Olivier Maris, Watemi, Opa Afuanik, Watemi, Parker Eleanor, Watemi, Orlieté Kinui, Watemi, Rapoto Jean-Marius, Watemi, Richton Monique, Watemi, Rivetta Frédéric, Watemi, Romata Roferno, Watemi, Sage Maina, Watemi, Gilles Philippe, Watemi, Tama Françoise, Watemi, Tani Thérèse, Watemi, Tonso Robert, Watemi, Tchunturoro, Watemi, Tefari Rehiroiti, Watemi, Temeharu René, Watemi, Teremate Ruben, Watemi, Teripayamita, Watemi, Teruatia Sylviane, Watemi, Tetonulana, Watemi, Teura Justine, Watemi, Tonson Gaston, Watemi, Dwahu Ismaël, Watemi, Tushobia Catherine, Watemi, Putia Damas, Watemi, venons dans Béatrice, Watemi, et venons dans Clarence, Watemi. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc commencer. Et je demande à Madame le Secrétaire Général de nous lire les procurations déposées. Monsieur le Président, voici donc les procurations qui ont été déposées. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir nous faire lecture du projet d'ordre du jour de notre séance. Monsieur le Président, voici donc le projet d'ordre du jour, donc décidé par la conférence des présidents jeudi dernier. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, des projets, propositions de délibération, des projets de loi de pays et d'une proposition de résolution, voire liste jointe. Et point 3, clôture de la séance. Merci. Avant que nous passions à l'approbation du projet d'ordre du jour, il y a donc un complément à l'ordre du jour et j'aimerais demander à notre vice-président si bien il pouvait reporter le rapport numéro 15 et 16 à plus tard car ces rapports n'ont pas encore été étudiés en commission. Donc ils devront être étudiés après l'étude de ces lois de pays par les commissions internes à l'Assemblée.
Nous avons 14 dossiers à étudier. Et donc, je demande à ce que nous approuvions eh bien, l'ordre de passage de ces dossiers. Nous approuvons et nous passons donc au premier dossier. Parce que je vous aime, je vous donne la parole, Monsieur le Président Tang Song. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres. Un rappel au règlement intérieur de notre Assemblée. Je vous ai transmis un courrier vous informant de la constitution du groupe Athéopolinitia au sein de notre hémicycle, composé de 12 membres à part entière. Et je vois que les dispositions, les emplacements des élus ne répondent pas malheureusement à cette requête que vous avez faite ce matin. Donc je vous demande ce qui est possible de suspendre momentanément la séance pour que les élus au Polynétia puissent effectivement être regroupés ensemble dans l'hémicycle. Merci. Merci, Monsieur le Président, de ce nouveau groupe politique Athéopolinitia. Votre courrier m'a bien été adressé ce matin et où vous nous précisiez donc que eh bien, vous étiez présenté à la DRCL, que vous étiez présenté à la DRCL pour constituer ce nouveau groupe. Vous m'avez donc bien adressé cette demande. Et je vous ai répondu ce matin même. Voilà donc la réponse que je vous adresse. J'accuse bonne réception de votre lettre citée en référence par laquelle vous m'informez de la modification du nom du groupe Totato Aïa à l'Assemblée de la Polynésie française et sollicitez sa prise en compte pour la séance de ce jour. Je porte à votre connaissance que le changement de dénomination de votre groupe politique sera effectif lorsque la déclaration sera rendue publique par une insertion au journal officiel de la Polynésie française. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les nouveaux adhérents n'indiquent pas la date à laquelle ils comptent intégrer la nouvelle formation. Les nouveaux adhérents n'indiquent pas la date à laquelle ils veulent intégrer la nouvelle formation. J'ai reçu du courrier manifestement préparé à l'avance, mais sans date. Par exemple, je vous lis le courrier de Mme Béatrice Vernaudan. En application de l'article 72, ainsi de suite, j'ai l'honneur de vous faire part de mon adhésion, avec l'accord de son président, au groupe politique Athéopolinitia à l'Assemblée de la Polynésie française, et ce, virgule, depuis le et un blanc. Il n'y a pas de date. Donc, je suis un peu gêné pour savoir à quel moment je vais accepter l'adhésion de ces nouveaux membres. Quand ces nouveaux membres me préciseront leur date d'adhésion et que j'aurai reçu la photocopie ou le journal officiel avec votre changement de nom, à ce moment-là, je considérerai votre groupe. Sur ce point, la discussion est close. Monsieur le Président. Je demande au rapporteur de bien vouloir nous faire lecture du premier rapport. Madame Teroro Tane, vous avez la parole. Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour à tous. En fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999 portant création de la Société de financement du développement de la Polynésie française. Alors, pour rappel, la SOFIDEP est une SEM créée par la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999 de l'Assemblée de la Polynésie française dans le domaine d'intervention tel qu'il est défini par son objet est limité aux petites et moyennes entreprises. Article 2, la société a pour objet de faciliter par tout moyen financier la création, la transmission
et le développement des petites et moyennes entreprises dans le siège social et en Polynésie française. Alors, elle peut notamment prendre des participations au capital des entreprises concernées par souscription ou achat d'actions ou de titres de toute nature. Accorder des prix assimilables à des fonds propres, renforçant la surface de l'entreprise vis-à-vis des autres créanciers. Gérer le portefeuille de valeurs mobilières résultant de ces prises de participation et réaliser toute opération d'achat, de vente, d'échange, de souscription de valeurs mobilières. Financer l'étude de projet. Plus généralement, elle est habilitée à réaliser toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Il est envisagé que la SOFIDEP prenne une participation de 2% dans le capital social de la SAS Aquacol Tritinui Jinmin Ocean Farm, dont le capital social devrait être porté in fine à hauteur de 2 milliards. Compte tenu de son statut juridique de SEM, il est nécessaire que notre Assemblée, qui l'a créée, se prononce préalablement par délibération sur l'extension de son objet social et sur la prise de participation envisagée. Pour ce faire, il est proposé que l'alinéa 1er de l'article 2 de la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999 portant création de la SOFIDEP soit modifié et rédigé comme suit. Article 2, la société a pour objet de faciliter par tout moyen financier la création, la transmission et le développement des entreprises dont le siège social est en Polynésie française. Il reviendra ensuite à l'Assemblée générale extraordinaire de la SOFIDEP de mettre ses statuts en conformité avec cette extension de son objet social. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que nous, rapporteurs, proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Merci, Madame la représentante. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 10 minutes par groupe pour exprimer donc leur position sur ce dossier. Et je demande au groupe Totato Aya de bien vouloir nous faire part de son intervention. Merci, Monsieur le Président. Mis à part ce qui se passe actuellement, je ne pense pas que c'est de cette façon-là que nous devrions agir, car je vous ai adressé cette demande ce matin, au jour d'aujourd'hui. Bon, à part ça, passons au dossier qui nous intéresse maintenant. Bien, nous nous demandons pourquoi ce dossier est traité dans la précipitation. Car cette convention ne nous a pas encore été adressée à nous, membres de l'Assemblée, et il s'avère que ce qui est dit face aux journalistes et face à la population et face aux membres de l'Assemblée, sont différentes. Donc vous dites à la population que vous êtes en train de créer une société. Et cette société, une société d'économie mixte, où nous avons la plus grande quote-part, donc la majorité des parts. Aujourd'hui, ça a changé. Il ne s'agit plus d'une société d'économie mixte, mais d'une SAS. Savez-vous ce que ça signifie? C'est une société... Une société à l'intérieur de laquelle la part des uns et des autres peut être modifiée. Donc cette société aura
2% des parts. Et donc, nous demandons exactement ce qui se passe actuellement, laissant à cette société le soin eh bien, de mener ses missions originellement décidées, à savoir le développement du pays. On nous parle de 150 milliards. Donc cette société qui pourtant est destinée à venir en aide aux petites sociétés du pays n'aura plus d'argent pour mener à bien ses missions. Et ça la mettra donc en difficulté. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à la banque Socredo de participer à cet investissement et ça ne nous poserait donc pas de difficultés? Si c'est véritablement un projet viable, eh bien, ça rapporterait à la banque des intérêts. Et nous respecterions nos engagements qui voulaient que, eh bien, on ne mette pas un franc dans cette société aquacole. Et que notre part serait finalement bien, nos eaux, notre océan. Mais, eh bien, quelle surface et quelle quantité? Et, eh bien, quand ces concessions maritimes seront entre les mains de cette société chinoise, eh bien, qu'en sera-t-il? Est-ce que notre population, bien, aura toujours accès à cette, eh bien, à notre océan? C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. C'est un peu trouble, tout ça. Et nous disons donc que eh bien, ce n'est pas possible d'utiliser eh bien, la SOFIDEP pour venir en aide à cette société chinoise de aquacole. Et demain, est-ce que ce ne seront pas les Chinois qui seront majoritaires au sein de cette société? Si par contre, eh bien, nous avions fait de cette société aquacole une SEM, eh bien, nous aurions eu la certitude que le pays garde la majorité au sein de la société. Quand vous aurez décidé de ce sur quoi nous sommes en train de discuter, eh bien, vous n'aurez plus les rênes entre vos mains. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé au Vanuatu? Il n'y a plus aucun rori dans les océans. Tout a été dilapidé et ramassé par les Chinois. Et demain, ce ne seront pas que les roris, les holothuries, qui ne seront plus dans nos eaux, mais eh bien, toutes les richesses que contiennent nos océans. Nous avons également appris que vous aviez voté un budget de 10 millions pour payer un avocat international, expert en société multinationale. Ça a été inscrit au budget. 10 millions ont été inscrits au budget pour payer cet avocat. Et je ne parle pas de eh bien, ce qui se passe au niveau de la perliculture actuellement. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais qu'est-ce qu'on est véritablement en train de faire là? Nous montons une société et après seulement, nous allons à la rencontre d'un avocat pour nous renseigner sur les modalités de constitution de cette société. Je pense que nous agissons un peu précipitamment. Voilà, Monsieur le Président, notre avis sur la question. Merci, Monsieur le Président Tang Song. Je demande à l'intervenant du groupe Temana Otomomoto de bien vouloir prendre la parole. Madame Eleanor Parker, vous avez la parole. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, internautes, journalistes, bonjour. Alors, ce projet de délibération est le réceptacle de la prochaine qui prévoit l'investissement de plus de 1,2 milliard de francs de patrimoine public dans un projet économique avec une société dénommée Jiming Fishery Investment Management Limited.
Avant d'aller plus loin, il apparaît important de rappeler que c'est la Sofidep et de donner quelques chiffres concernant cette société, son activité. La Sofidep est une SEM dont la vocation est de venir au soutien de projets économiques, de création, de transmission et de développement de petites et moyennes entreprises polynésiennes. Elle a, depuis sa création, octroyé 250 prêts participatifs avec un montant moyen de 9 millions. A investi, je cite, près de 300 millions dans 5 entreprises locales. L'objet même du projet est d'élargir le champ des entreprises éligibles aux offres de la SEM. Élargissement par la taille de l'entreprise qui n'a plus besoin d'être une PME, mais toujours intervenir dans les sociétés de droit polynésien. Le gouvernement prévoit pour la Sofidep un investissement de 2% sur un capital social de 2 milliards, soit 40 millions. Mais à ces 40 millions de la Sofidep, le gouvernement prévoit que le pays lui-même mette au pot commun en apportant des terres et des zones maritimes publiques, de la ressource maritime et des infrastructures publiques. En somme, il fallait, côté Polynésie, un apport liquide minimum versé par la Sofidep. Ça, c'est notre choix. Le rapport dit sans transfert de propriété, mais seulement en jouissance, c'est-à-dire que le pays restera propriétaire de son domaine. Cependant, je suis curieuse de savoir comment est valorisée la ressource maritime qui est une composante de l'apport. Pour ce qui est des terres et des infrastructures, ce n'est pas trop difficile. Cependant, je suis plus sceptique sur l'évaluation du domaine maritime et sur celle de sa ressource. Mais à la fin, je dirais que cela dépend de la manière dont elle est utilisée, cette ressource. Le projet nous dit que les installations respecteront l'environnement. Pourtant, on sent bien qu'il y a là un enjeu important. Si la ressource est mal gérée, en dépit de tout souci de développement durable, cette dernière n'aura plus en réalité de valeur financière intrinsèque une fois qu'on l'aura vidée de ce qu'elle contenait. Raison de plus pour les investisseurs étrangers de ne pas avoir besoin de l'apport en propre du domaine qui est une fois épuisé de sa ressource ne vaudra de toute façon plus rien. Pour se rassurer, on pourrait se fier à la qualité de ceux qui, regroupés autour de la société, se proposent de gérer cette activité. Pouvez-vous nous éclairer sur ces investisseurs ? Il y a quelques mois de cela, Mme Hillary Clinton, alors secrétaire d'État aux affaires étrangères, avait déclaré à l'adresse du gouvernement chinois que l'océan Pacifique était assez grand pour les États-Unis et la Chine. C'est cela l'enjeu. Ce n'est qu'une question de pouvoir sur les ressources naturelles existantes. Et concernant la pêche, il est clair que l'océan Pacifique reste l'une des zones les moins exploitées du monde. Il y a donc pour des investisseurs de toutes sortes de ressources à exploiter, je dirais même à épuiser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et puis après, ils iront ailleurs, piller ailleurs d'autres populations. À cela, je dis protégeons nos ressources, car nous voulons, en tant qu'élus responsables, préserver pour nos générations à venir. Là, je vous remercie. Merci. Je demande à l'intervenant du groupe Tahuir Ahuir Atira. Monsieur le député français, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le président de la Polynésie française, bonjour. Monsieur le vice-président, madame la ministre, messieurs les ministres, chers journalistes, chers collègues, Monsieur le sénateur, eh bien, bonjour à tous. Je vais m'exprimer dans ma langue, monsieur le président, hein, ne m'en voulez pas. Ce dossier, mes chers collègues, comme le suivant, relatif à la modification des statuts de la Sofidep pour permettre sa prise de participation au capital d'éventuelles sociétés Tahiti Nui Jiming Ocean Farm, relève de la seule opportunité politicienne, tout en étant doublée de la plus grande opacité. La Sofidep, qui a été créée pour venir au soutien des petites et moyennes entreprises qui, comme vous le savez tous, connaissent aujourd'hui les pires difficultés et ont plus que jamais besoin d'être soutenues,
Aujourd'hui donc, et parce qu'on cherche un actionnaire pour entrer au capital d'une société fantôme, on nous propose de modifier les statuts de notre établissement financier. Je parle de grande opacité car, à ce stade, nous n'avons aucune information sérieuse sur la crédibilité des actionnaires en question, des actionnaires chinois, sur le mémorandum signé entre eux et le président du pays, nous n'avons aucune information, et encore moins sur les futures activités de cette société et leur localisation. Tout ce que nous savons de ces actionnaires, c'est leur identité et la répartition du capital de la société qu'ils ont créée pour l'occasion à Hong Kong. Monsieur Chen, citoyen chinois demeurant à Pékin, propriétaire de 1000 actions. Monsieur Cheng, citoyen chinois demeurant à Hong Kong, propriétaire de 6000 actions. Monsieur Zheng, citoyen chinois demeurant à Pékin, propriétaire de 3000 actions. Voilà ce que l'on sait de ces actionnaires. Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous avoir ce matin, parce qu'une fois de plus, nous avons quand même quelques informations à vous demander. Le 29 novembre dernier, vous avez signé avec les représentants de Jiemin Fisheries une lettre d'intention formalisant le cadre juridique et les conditions de création d'un accord, d'une joint venture. C'est en tout cas ce qui figurait dans votre communiqué de presse. Notre Assemblée n'a pas connaissance des termes de cet accord, même si vous en avez évoqué les contours devant nous. Mais nous préférons naturellement, et vous nous comprenez, avoir le document en main plutôt que de nous fier à vos belles paroles si souvent non suivies des faits. Le groupe Tahoeira vous a saisi à deux reprises, par courrier les 10 décembre et 9 janvier dernier, afin d'avoir communication du dit document. Vous n'avez pas donné de suite à notre demande, ce qui nous laisse à penser que vous avez des choses à cacher à la représentation populaire. À moins, bien sûr, que vous n'ayez pas eu le temps de traiter tout votre courrier en raison de vos préoccupations et de vos occupations personnelles à New York. Ça peut être une explication. Occupations personnelles, mais naturellement aux frais du pays. Les rapports qui nous sont présentés aujourd'hui, Monsieur le Président, 5 pages pour plusieurs milliards d'investissements, ne lèvent pas l'opacité qui pèse sur ces dossiers, qui ne sont finalement qu'un condensé de la note de présentation adressée le 15 janvier dernier à la SOFIDEP par votre ministre des Ressources marines et reproduite dans la presse. Tout ce que nous savons au final, c'est comment va s'organiser le capital. Par contre, et alors qu'on nous demande de donner notre aval à une prise de participation financière de la SOFIDEP, dans un premier temps à hauteur de 1 million, puis ensuite de 40 millions, à la faveur d'une future augmentation de capital, nous n'avons toujours aucun business plan pour nous assurer de la viabilité de la future société. Naturellement, et vous comprenez, Monsieur le Président, qu'une de nos préoccupations plus importantes, c'est de savoir quelles garanties de financement nous avons aujourd'hui et quelles garanties financières, bancaires, que nous apporte cette fameuse société. Sans business plan, sans assurance sur le futur, la seule certitude que nous ayons, c'est que le pays a déjà décidé de s'engager financièrement à hauteur de 25,5 millions dans un premier temps avant d'apporter 1,25 milliards de terrains dans la corbeille de Marié à l'occasion de la prochaine augmentation de capital. Quid des autres? Quid de nos partenaires chinois? Où avez-vous vu, Monsieur le Président, mes chers collègues, qu'un établissement financier digne de ce nom puisse participer au capital d'une société sans avoir de données chiffrées? Tout ce qui ressort du dossier au moment où nous parlons, c'est que les services techniques du ministère sont en train de mener une étude technique et économique. C'est le monde à l'envers. D'ailleurs, ce que je le dis là a été confirmé en commission. Je vais vous lire, mais très rapidement, ce qu'a déclaré, à la suite d'une question posée par notre collègue Philo Tefarere sur l'article 1er, votre ministre des Ressources marines, en effet, confirme bien que, dans un premier temps, il s'agit de mobiliser les 2 milliards. Hein,
Donc nous fixons une première étape de 2 milliards pour mettre en place cette société. Après cela, nous étudierons comment utiliser ces fonds. L'état du dossier tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc, je disais que c'était le monde à l'envers. On nous demande de payer et puis après on verra si l'investissement est sérieux et rentable. Je vous rappelle ici de manière très solennelle, comme l'a d'ailleurs fait la CGPME avant nous, il s'agit de fonds publics et que vous engagez votre responsabilité pénale. Je doute d'ailleurs que les autres actionnaires de la Sofidep, qui sont des gens sérieux, comme le DT ou les trois banques de la place, donnent leur aval à votre périlleux montage. Vous passerez outre, évidemment, puisque vous êtes l'actionnaire principal. De la même manière, et toujours pour souligner votre amateurisme dans une précipitation coupable qui n'est dictée en fin de compte que par des intérêts politico-électoralistes, vous nous expliquez qu'un pacte d'actionnaires et de commercialisation sera conclu avec Jimin. Mais que nous n'avons pas d'idée du contenu de ce pacte, mais que nous avons confié le dossier à un cabinet d'affaires international. Nous prenons aujourd'hui la décision d'engager les finances du pays, mais on va attendre, malgré tout, pour vous apporter d'autres informations. Là encore, la logique aurait voulu que cette consultation soit achevée avant qu'on ne se lance dans cette aventure. Par ailleurs, nous avons bien compris que le pays allait s'engager à hauteur de 24,5 millions dans la constitution du capital initial. Capital qui devra être porté à hauteur de 2 milliards au plus tard le 31 mars prochain. La participation du pays se faisant par apport en nature, c'est-à-dire par la fourniture de terrain. Là encore, c'est toujours le flou total. Le rapport nous explique que la commission des évaluations immobilières a été saisie le 3 janvier dernier. Mais nous n'avons aucune indication sur les terrains concernés et encore moins sur leur évaluation. Je vous rappelle à ce stade des engagements financiers que vous nous demandez d'avaliser que le droit à l'information des élus n'est pas une formalité dont vous vous exonérez. Monsieur le Président, si vous consultez l'Assemblée de Polynésie, c'est que vous voulez que nous apportions, nous, les élus de cette population, les garanties de la bonne fin de vos décisions. Donc, nous voulons connaître les résultats des travaux de la CEI et surtout nous voulons connaître la localisation des terrains, parce qu'on a tout entendu à ce sujet-là. Ça a commencé à Hao, c'est venu à Fakarawa, c'est parti à Huahine, et semble-t-il que c'est plutôt Tahiti qui intéresserait nos partenaires chinois. Vous avez visité donc ces trois sites avec vos amis chinois, mais aucune réponse, en fin de compte, jusqu'à ce jour n'a été donnée. Et d'après nos informations, ce ne sont pas ces sites qui intéressent les futurs associés du pays, mais donc bien un site de la presqu'île de Tahiti. Nous n'en savons pas plus sur le type d'espèces qui devraient être élevées dans nos fermes, dans vos fermes modèles. Pour faire court, tout ce que vous nous livrez, c'est du vent. De belles paroles, mais vous n'avez en aucune manière mesuré les conséquences de votre inconséquence. Bien évidemment, et encore une fois, l'avenir ne vous concerne pas. Vous savez d'ores et déjà que les Polynésiens vont prochainement vous congédier, car en voici encore un exemple. Vous ne savez pas, et vous ne savez pas comment gérer le pays. Votre démarche, et j'en ai terminé, Monsieur le Président, j'ai fait 20 000 km pour ce dossier, votre démarche et l'urgence que vous mettez à vouloir faire aboutir ce dossier bancal, elle n'est qu'une démarche démagogique et électoraliste. Vous voulez faire miroiter aux Polynésiens, et notamment aux Pahumutu, que vous êtes allés démarcher, que ce projet va les sauver et créer des dizaines de milliers d'emplois. Au besoin, vous êtes prêts à brader le pays. Mais Monsieur le Président, n'oubliez pas que le soleil se lève à l'est. Et bien sûr, mais ça vous l'avez avoué à demi-mot à votre retour de New York. Si vous êtes tant pressé avec cette société chinoise, c'est parce que vous souhaitez en retour obtenir les bonnes grâces de la République populaire de la Chine. Pour vous appuyer dans votre démarche personnelle de réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Quelle ironie. Quelle ironie. Monsieur le Président, j'en ai fini. Pour entrer dans l'histoire par la petite porte, vous êtes prêt à tout, sans même vous assurer au préalable que votre choix est un bon choix pour les Polynésiens. Qu'on ne se méprenne pas,
Le Tahouera n'est pas contre les investissements étrangers, loin de là. Alors que vous, au contraire, vous avez fait campagne en 2008, et là j'ai retrouvé quelque chose de piquant. En 2008, contre les investissements chinois, rappelez-vous, Monsieur le Président, il s'agit des investissements à Faratea. Que disiez-vous le 22 juillet 2007 dans cette assemblée? Les nouvelles... Je vous ai demandé d'abréger. Les nouvelles de ces dernières semaines disent que la Chine investirait du côté de Travor, Faratea. Vous rappelez, Monsieur le Président? Mais je ne sais pas si la population de Terre Poussée, que leur terre, si belle aujourd'hui, si votre projet en collaboration avec la Chine est approuvé, eh bien ces belles terres deviendraient des chiottes. Les toilettes. Voilà ce que vous pensiez des investissements chinois. Le président, c'est vrai. C'est vrai, c'était avant. Oui, au Tahouera, nous sommes persuadés que nous avons besoin des investisseurs privés étrangers pour le lancer notre... Merci bien, merci bien, merci bien, merci. Je demande à l'intervenant de l'UPLD de bien vouloir prendre la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Bonjour, Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Sénateur, bonjour. Merci d'être revenu parmi nous dans notre pays. Monsieur le député, vous auriez dû rester en France. Bonjour à tous, chers journalistes. J'aimerais féliciter le gouvernement de notre pays, applaudir le gouvernement de notre pays. Bien, quand nous analysons bien la vie politique de notre pays, eh bien, rien n'a... Aucun projet comme celui-ci n'avait déjà été envisagé à l'époque. C'est vrai, il y a eu les essais nucléaires pour lesquels ils étaient d'accord. Ça a été la seule ressource de richesse dans notre pays. Ils ont accepté quelque chose d'extrêmement négatif pour notre pays. Nous avons plusieurs fois bien entendu, eh bien, est-ce que nous allons accepter eh bien, les fonds qui nous sont proposés par la Chine? Quelle faute a donc commise la Chine dans notre pays pour que vous vous opposiez à ce point à un projet eh bien, qui est mis en place sur le long terme? La France qui est venue ici nous voler nos terres et faire exploser leur bombe atomique, eh bien, c'est ce pourquoi vous applaudissez? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre pays? Aussi, c'est la raison pour laquelle eh bien, j'applaudis des deux mains le gouvernement du pays. Monsieur le Président, nous avons entendu beaucoup de choses depuis le début de notre séance et j'espère que le gouvernement du pays, tout à l'heure, eh bien, répondra en détail à toutes les interrogations et les critiques qui ont été formulées. Il y a également la question de eh bien, cette île, Anuanuraro. Et eh bien, à mon avis, on aurait pu inclure eh bien, ce territoire dans ce projet, mais on nous a répondu que ce n'est pas possible parce que c'est une terre qui est en litige, en procès, parce qu'il y a eu eh bien, quelques petits détournements de fonds au niveau de cette île. Donc, laissant les juges décider de la situation de cette île. Au sujet de cette société qui est la nôtre, la Sofidep, nous leur demandons 40 millions d'investissement dans eh bien, cette société chinoise. Donc il s'avère qu'ils ont aidé les sociétés à hauteur de plus de 100 millions. Les petites sociétés, là nous parlons de sociétés un peu plus grandes, mais quel est le véritable problème? Donc, lors de la commission, notre ministre nous avait fait état du nom de toutes les sociétés qui avaient été aidées par la Sofidep.
à hauteur de plusieurs millions. Et pour les 40 millions que nous demandons là, eh bien, nos collègues de l'opposition rouspètent. Je ne comprends pas véritablement. Mais c'est qu'ils savent que eh bien, c'est une porte de sortie pour eh bien, le développement de notre pays. Car ils ont toujours voulu chercher eh bien, les moyens de faire peur à notre population. Ils nous parlent de 2 milliards, mais nous n'avons il n'a jamais été question de 2 milliards. Arrêtez de faire peur à notre population. Donc j'attends une réponse à la question que j'ai posée. Quelle faute a donc commise la Chine pour que vous la jugiez ainsi? Merci. Merci. Donc, on en inscrit. Monsieur Calin Vernaudan, mais comme Armel Merceron a demandé d'abord la parole, je laisse la parole aux femmes d'abord. Non, elle vous la laisse, monsieur Calin Vernaudan. Merci, monsieur le président. Donc, j'ai bien écouté ce qui a été dit par les uns et les autres. La première chose que j'aimerais dire s'adresse à monsieur Tang Song qui ne comprend pas tout à fait ce que c'est qu'une SAS. Nous avons déjà monté des projets avec des SAS dans ma commune. Donc ne dites pas des choses sans vous être renseigné. Il y a des notaires, il y a des experts pour apporter des précisions là-dessus. J'ai visé trois aspects, l'aspect humain, l'aspect politique et l'aspect d'économie. Si vous permettez, Monsieur le Président et Monsieur le Président du pays, je viendrai sur l'aspect économie parce que nous sommes à fond là-dedans. Les investissements chinois de la société Jiming Fishery Investment Management Limited. On est tous en extase devant la réussite de nos amis et nos frères calédoniens. Mesdames et messieurs, les élus de ces investissements sont les résultats d'un partenariat avec les grandes puissances mondiales. Projet Goro Nickel, dans le Sud Pacifique. Partenariat brésilien, 49%. Partenariat calédonien, 51%. Projet Vavotou, projet Goro Nickel Sud. Projet Vavotou dans le Nord, partenariat canadien, 49%. Calédonien, 51%. Projet POSCO en Corée. Projet POSCO en Corée, pas en Calédonie, en Corée. Partenariat coréen, Calédonie, 51%. Majoritaire en Corée. Et les Coréens, 49%. Le 20 septembre 2012, l'AFP, la Société minière du Pacifique Sud, SMSP de Nouvelle-Calédonie, a signé un accord de principe avec le groupe chinois Xinjiang pour construire une usine de 30 000 tonnes d'hydroxyde de nickel, a indiqué jeudi l'AFP de la société. Un mémorandum, accord de principe, avait été signé en juin et fin août. Xinjiang a donné son feu vert pour que nous détenions 51% du capital des deux co-entreprises, a déclaré l'AFP. Dominique Nassi, directeur des relations extérieures de la SMSP. Aux mains de la province Nord, le mineur calédonien va construire en partenariat avec Xinjiang, premier groupe minier chinois et troisième producteur mondial de nickel, une usine métallurgique d'une capacité de 30 000 tonnes annuelles de nickel dans le sud de la Chine. Cette unité sera alimentée avec du minerai latérique, pauvre en nickel. Donc la Calédonie a un potentiel énorme issu des mines de la SMSP en Nouvelle-Calédonie en raison d'environ de 2 300 000 de tonnes par an. L'entrée en production est prévue en 2017. De deux co-entreprises, l'une détiendra l'usine et l'autre les mines, seront créées dans chacune d'entre elles. La SMSP aura 51% du capital et Xinjiang, la société chinoise, 49%. Les discussions ont été longues et la négociation très dure, a déclaré aux Nouvelles-Calédonies André Dong,
PDG de la MMSP. Je pense que André Dong, l'ancien président Tang Son, l'a rencontré, ainsi que quelques élus. Ce n'est pas un petit monsieur. Exactement, sur le même modèle de la SMSP, est associé avec l'aciériste du sud-coréen POSCO, leur usine de Gwangwon, produit actuellement 30 000 tonnes de ferro-nickel et doit monter en puissance d'ici 2014 à 54 000 tonnes. La SMSP utilise une partie des retombées financières de son partenariat avec POSCO pour financer la gigantesque usine de Konyombo, construite dans le nord de la Nouvelle-Calédonie en association cette fois avec les Suisses Xtrata. En conclusion, je lance à défi n'importe quel élu que ce soit de nous trouver une société française qui vienne substituer à cet industriel chinois. Pour le projet actuel, dans le contexte actuel, il faut faire comme nos amis calédoniens. C'était sur ces propos. Sur les autres aspects, j'interviendrai tout à l'heure. Donc, je remercie. Merci. Madame Armel, merci. En 5 minutes. Car vous partagez 10 minutes. Et donc, ça fait au moins 4 personnes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez 5 minutes. Bien, je vous remercie de me donner la parole. C'est vrai, nous avons besoin d'investissements pour mettre notre pays sur la voie d'un développement durable. Nous avons besoin d'encourager les initiatives créatrices de richesses et d'emplois durables. Alors oui aux investisseurs privés, investisseurs polynésiens en priorité, éventuellement extérieurs, quand la dimension du projet dépasse nos compétences technologiques et financières. Jusque-là, et seulement jusque-là, je suis d'accord avec vous. Mais pas n'importe comment. Malheureusement, le projet en question aujourd'hui nous laisse très sceptiques sur son sérieux et son réalisme. Plusieurs intervenants sont venus dans ce sens. Pour l'instant, je voudrais évoquer la manière dont vous le mettez en place. Premier reproche, le gouvernement veut changer les statuts de la SOFIDEP et sa majorité pense que cela ne tire pas à conséquence. Faux. Les missions actuelles de la SOFIDEP ne sont pas le fruit du hasard ou d'un caprice, mais d'une réflexion. Ici même, le 3 juin 1999, lors de l'examen de la délibération qui a créé la SOFIDEP, les rapporteurs, j'ai retrouvé le document, affirmaient l'esprit du projet. Susciter le maximum d'esprit d'entreprise chez les Polynésiens eux-mêmes pour multiplier les entreprises individuelles et familiales. D'où, à l'article 2, la société vise les petites et moyennes entreprises. Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Vous transformez la SOFIDEP pour répondre à un besoin à court terme et non après réflexion stratégique. Ce n'est pas sérieux. Aucune réflexion de fond, aucun débat. Vous vous contentez de supprimer les mots « petite et moyenne entreprise » et le tour est joué pour trouver le pigeon qui apportera les 2% dont vous avez besoin, sans vous préoccuper des conséquences. En effet, par simple opportunité, parce que vous avez, Monsieur le Président, engagé votre signature pour réaliser le projet avant le 31 mars 2013, vous balayez... Vous risquez en tous les cas de balayer 13 ans de bon fonctionnement de la SOFIDEP. La preuve, le rapport Bollier n'en parle pas du tout. Ça veut dire que ça marchait correctement. Vous n'avez fait aucun diagnostic, aucune étude pour vérifier le bien fondé de l'évolution des missions. Vous pilotez à vue par pur opportunisme et sans doute parce qu'il y a une échéance électorale qui se profile. Dorénavant, et ça c'est une conséquence, on ouvrirait la porte de la SOFIDEP à tout projet, quelle que soit sa taille. Les grandes entreprises, c'est évident, vont se précipiter dans la brèche et il n'y aura plus de rempart juridique pour pouvoir dire non. Et j'entends déjà M. Fribourg dire, et le cas de Aranui, mais Aranui, c'était une entreprise polynésienne qui avait fait ses preuves et nous savions que c'était pour une dimension circonscrite. Là, on parle de
combien ? 10 milliards sur 15 ans ou 15 milliards sur 10 ans, enfin je ne me rappelle plus. La capacité d'intervention financière de la SOFIDEP, elle est aujourd'hui proportionnée à la taille de sa cible. Et très vite, on risque d'assécher ses possibilités d'intervention en faveur des petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup plus besoin des autres, des coups de pouce publics pour compléter leur financement. Et vous savez très bien que notre avenir économique dépend de l'initiative de nos petits entrepreneurs. Et ce n'est pas à des souverainistes que j'apprendrai la chose. Deuxième reproche, la société Tahiti Nui Jingmin Ocean Farm, je ne suis pas encore habituée, hein, n'a pas été traitée par la direction de la SOFIDEP en respectant le processus établi par le règlement intérieur. Pas d'instruction d'un dossier complet, juste quelques notes sur des intentions générales, signées, je pense, de M. Temahori. Alors que, et c'est ça qui est grave, l'on exige des petits porteurs de projets de nombreuses pièces que l'on examine à la loupe. Je suis allée voir sur le site de la SOFIDEP la liste de tous les documents que l'on réclame. Là, il n'y a pas de compte d'exploitation prévisionnel, pas de business plan, pas de consultation des banques de la place susceptibles de financer ultérieurement l'activité, pas de présentation au comité d'engagement, tout ça est dérogatoire. Pire, pas d'études sur les associés, sur les comptes des partenaires, sur leur notoriété, opacité complète. Pas de vérification au titre de la loi anti-blanchiment. Ce n'est pas que j'accuse de quoi que ce soit, mais je dis que ce que l'on fait pour les autres, on ne le fait pas pour un projet énorme. Pas de vérification, donc, de la loi anti-blanchissement. Blanchiment. Alors que cela se fait systématiquement pour les autres dossiers. Il y a donc deux poids, deux mesures. En fait, on sait très bien que la SOFIDEP, que l'entrée de la SOFIDEP n'est justifiée que pour permettre au pays d'être majoritaire parce qu'il lui est interdit de détenir plus de 49% en participation directe sous peine de devoir créer une SEM dont vos partenaires et vous ne veulent pas. Alors, on oblige la SOFIDEP à apporter de l'argent frais. Les missions de la SOFIDEP sont d'apporter des fonds propres à des projets pour boucler leur financement et faciliter leur accès au crédit bancaire. Ce n'est absolument pas le cas ici. Du reste, les banques n'ont pas été sollicitées. Je vous demande pourquoi vous n'avez pas demandé à la SOCREDO. Peut-être que vous aviez peur des règles bancaires. Concluez, s'il vous plaît. Je vais conclure. Effectivement. En fait, toutes ces questions, tous ces doutes, ce n'est pas le projet en lui-même qui est critiquable, mais c'est ce manque complet de transparence qui entoure le projet et qui est fait d'annonces publiques mirobolantes, alors qu'on n'a pas le premier bout d'une étude sérieuse de faisabilité, de crédibilité scientifique, technique et économique, qui nous garantit du sérieux. Autrement dit, Madame, je conclurai en disant que c'est plutôt une joint aventure. Maruru Maite, Maruru. Merci. Irotoit fanhor autata toture roto. Yahorwahi ahuru miniti. Notre règlement intérieur prévoit que quand 10 minutes sont accordées aux non-inscrits, eh bien, ils se partagent les 10 minutes de temps de parole. Merci. Monsieur le Président du pays, vous avez la parole. Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Assemblée de Maui Nui, Mesdames et Messieurs les ministres de Maui Nui, chers représentants de Maui Nui et chers publics, Mesdames et Messieurs les journalistes, à tous les internautes, bonjour à tous et veuillez recevoir mes salutations. Monsieur le sénateur, bonjour. J'aimerais que ce jour soit inscrit dans l'histoire de notre pays. C'est le jour d'anniversaire de ma femme, mais à part ça, c'est une date que je ne vais pas oublier, car ce matin,
Car ce matin, bien, j'ai reçu une nouvelle de New York. Eh bien, notre demande sera étudiée à New York le 22 février ou la première semaine de mars. C'est une excellente nouvelle pour le peuple polynésien, le peuple de ce pays. Ça fait 35 ans que nous nous battons. Notre histoire est inscrite au su et au vu du monde aujourd'hui. Aussi, merci à tous. J'aimerais remercier toutes les églises du Pacifique et du monde tout entier qui ont soutenu notre demande de voir la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser être étudiée à l'ONU. Chers collègues, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit. Je constate que tout ça, c'est un peu, comment on dit ça en français, c'est un peu stérile, c'est rempli de stérilité. Nous voulons ici mettre en place un projet. Je n'ai pas envie de dire quelque chose. Ce que j'attends de nous tous ici présents, eh bien, c'est que nous acceptions et nous adoptions tous ensemble ce projet à l'unanimité. Sauf erreur de ma part, eh bien, tout ce que j'ai entendu de votre part, ce sont des oppositions, des critiques. Nous voulons continuer à vivre comme nous l'avons fait, taxer la population et bien vivre sur, comme à l'époque du CEP. Donc il y a eu un colloque vendredi dernier, une question a été posée à cette personne que nous connaissons tous, M. Poirine, un économiste. De ce projet d'aquaculture, la réponse a été c'est ce dont ce pays a besoin. Bon, je vous écoute, mais il faudrait que nous agissions ensemble pour cette population qui n'a pas de travail aujourd'hui et qui en cherche. J'ai entendu certaines critiques, mais il y a eu une réunion d'organiser ici quand ces Chinois sont arrivés. Vous avez été invités à venir. Combien d'entre vous étaient présents? Je remercie Teki, car il était là, Madame Maina Sage, Monsieur René Temeharu. C'était le bon moment pour poser les questions qu'il fallait, car ils étaient présents parmi nous, mais vous n'étiez pas présents. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de secret dans ce projet. C'est vrai. Le 29 novembre dernier, j'ai signé cette convention avec ces investisseurs pour faire avancer le projet. J'ai signé une lettre d'intention. Je vais vous lire une des phrases contenues dans cette lettre. Un des articles, l'article 8. Investira 1 milliard de dollars US sur une période de 15 ans, et ce, dans le respect des conventions internationales, des réglementations internationales et locales relatives aux ressources marines et du développement durable. Un planning scientifique de recherche sera établi. Elle s'engage à édifier les constructions suivantes. Le centre d'écloserie
Il ne s'agit pas d'accord de pêche. Fish Farming est le centre de recherche, la base d'élevage, la base de transformation, la base vie, l'usine de transformation de nourriture pour les poissons. Voilà ce projet. Faire de la Polynésie la vitrine mondiale de l'aquaculture. C'est notre ambition, ça. Ça devrait être notre ambition à nous tous. Il y a d'autres voies à tracer. Faisons-le ensemble. Que ce projet devienne notre projet. Présentez-nous votre projet équivalent à celui-ci. Il n'y en a pas. Il y a le secteur primaire à développer. Le tourisme, bien sûr. C'est ça le développement durable. Il faut reconnaître qu'il a été mis en place aussi un système anti-développement. Nous voulons petit à petit changer le développement de ce pays et aller vers une société de production. Ça devrait être notre vision politique à nous tous. Quand j'écoute vos interventions, eh bien, ce ne sont que des critiques. Je n'ai pas envie de dire quelque chose de déplacé ici. Il y a des questions que nous pouvons bien évidemment poser. Est-ce que ce projet ne connaîtra pas de difficultés? Il y en aura, certes, mais je suis content car j'ai appris que eh bien, la France commençait à s'intéresser un peu à ce projet, à s'intéresser un peu de plus près à ce projet que nous montons avec la Chine. J'espère que ce projet arrivera à terme. Le monde entier a les yeux rivés sur nos océans. Et au dernier forum du Pacifique, nous en avons discuté. L'océan Pacifique, la première richesse de cette planète. Il y a un amendement que vous nous proposez, ou vous nous proposez de, eh bien, de remplacer la Sofidep par l'Ifremer. Ça fait combien de temps que l'Ifremer est implanté ici? 50 ans? Ne riez pas, René. Nous n'avons rien vu de bon sortir de l'Ifremer, aucun projet. Concernant les questions que vous avez à poser, eh bien, Monsieur le ministre y répondra. Merci. Veuillez nous lire l'article premier. Article premier. L'alinéa premier de l'article 2 de la délibération numéro 99-98 APF du 3 juin 1999 portant création de la Sofidep est rédigé comme suit. Article 2. La société a pour objet de faciliter, par tout moyen financier, la création, la transmission et le développement des entreprises dont le siège social est en Polynésie française. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole donc pour apporter des précisions. Bonjour.
Alors, j'ai, au titre de l'article 1er, vous avez bien compris qu'il s'agissait donc de remettre à jour le statut de la SOFINEP afin de corriger les erreurs du passé, quoi que n'en plaise. Lorsqu'on a fait, à l'époque, des investissements à hauteur de 100 millions, il ne me semblait pas que le cadre légal était respecté. La première des opérations, c'est une remise à jour, la situation des statuts. C'est donc ce que propose cet article 2, car comment peut-on mettre uniquement les investissements dans les petites et moyennes entreprises quand la SOFIDEP était engagée à plus de 100 millions d'investissements directs, alors que le projet qui vous est présenté dans l'autre délibération concerne une intervention à hauteur de 40 millions. Il faut de temps en temps que notre droit soit conforme aux actes. Donc c'est la première procédure qui vous est présentée ici dans la modification de proposition de cet article. Merci. La discussion est ouverte. Madame Sandra Lévy-Agami. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis représentants à l'Assemblée, Tato Patoa Yorana. À tous, bonjour. À ce qui est proposé dans la mesure où, alors j'ai entendu des arguments qui disent oui mais attention, par le passé nous avions investi 100 millions dans telle entreprise, par le passé, parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans la SOFIDEP. Vous vous rendez compte que la plupart des dossiers qui passent depuis ces dernières années, ces trois dernières années en commission, ce sont des dossiers pour accompagner des petits patentés, des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Quand vous allez pomper plus de 40 millions de francs par dossier, on va avoir encore moins d'argent pour aider un maximum de petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, ces patentés se battent pour garder leur propre emploi. D'autres jeunes qui savent qu'il y a une grande difficulté pour se faire embaucher dans la fonction publique ou dans d'autres débouchés, créent leur propre entreprise. Et la SOFIDEP intervient à ce niveau-là. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent là. Comme vous ne voulez pas utiliser TNR, qui est complètement en difficulté financière, vous allez chercher l'argent là où il est. Sauf que cet argent-là, il a été bien géré. Et il a été géré pour accompagner les petites et moyennes entreprises. En Polynésie française, plus de 95% des créations d'emplois se font par le biais de ces petites entreprises. Et c'est la raison pour laquelle je m'oppose et je me suis opposée au sein de la SOFIDEP, à ce que vous proposez. Quand vous parlez, Monsieur le Ministre, de droit conforme, si on parlait vraiment de droit conforme, pourquoi est-ce que ce dossier n'est pas passé devant les actionnaires en Assemblée générale, puisque l'année dernière, il y a eu une Assemblée générale? Vous nous sortez ce dossier en début d'année, ce n'est pas passé devant les actionnaires de la SOFIDEP, vous faites passer ça en conseil d'administration de la SOFIDEP pour dire, voilà, j'ai besoin d'un envoi officiel de la SOFIDEP vers l'Assemblée de la Polynésie française. Nous, les élus, nous changeons les règles du jeu sans que les actionnaires aient été consultés. Et après, on va leur dire, ah ben voilà, le texte a changé. Dorénavant, le fonctionnement, ça sera comme ça. On a pris 2% de participation dans une entreprise dont on ne connaît rien au niveau des actionnaires étrangers. Je ne suis pas opposée aux actionnaires étrangers et à leurs investissements locaux, mais soyons sérieux, faisons des choses sérieuses. Quand je vois, et on a vu passer en commission, des dossiers épais comme ça, de demandes de petits patentés, on leur a demandé des tonnes de papiers pour justifier, pour avoir 1 million, 1,5 million, 2 millions d'accompagnements financiers, et que nous, en conseil d'administration, on a droit à 4 pages sur lesquelles il y a marqué « on va créer de l'emploi », trois petits points, « il va y avoir telle et telle orientation », on n'a rien, c'est pas sérieux. Et mettez-vous à ma place, peut-être que vous avez un niveau d'information qui n'est pas le nôtre, à ce moment-là, communiquez-le. La convention, on ne l'a jamais eu entre les mains. Le dossier complet, peut-être que vous avez, on ne l'a jamais eu entre les mains. Mais quand on étudie un dossier, on essaie de voir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un business plan? Est-ce qu'on va vraiment créer de l'emploi? Comment ça va se passer? Comment ça va être implanté? Maintenant, si vous avez tout ça, vous nous éclairez là-dessus. Mais bien évidemment qu'on va être favorable. Mais mettez-vous à notre place. Il y a 3 mois, on entendait parler de 60 000 emplois créés grâce à ce projet.
Maintenant, on entend parler de 10 000 emplois. La prochaine fois, ça va être quoi? De 10 emplois? Donc, à un moment donné, faisons les choses sérieusement. Et quand on veut respecter le droit, c'est le même droit pour tout le monde. On traite une entreprise comme celle-là de la même façon qu'on traite notre petit patenté qui vient à notre guichet Sofidep demander de l'aide et un accompagnement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et messieurs les ministres, bonjour dans l'amour de Dieu ce matin. Il est inexact de dire que le Tower Ahuriratria est opposé à ce projet. Mais seulement, nous voulons avoir tous les renseignements et connaître exactement le fond de cette affaire. Bon, bien sûr, vous vantez les mérites de la Chine, l'ouverture de la Chine, tout ce que la Chine peut nous apporter, mais nous avons quand même quelques doutes sur votre attitude parce que il n'y a pas si longtemps que ça, vous ne l'avez pas oublié, Monsieur le Président, lorsque le président de la République de Chine, Monsieur Jiang Zemin, nous a rendu visite en 2002, vous étiez sur le pont de Fa'a avec des cailloux pour lui lancer des cailloux à la figure, lui interdire le passage. Et il a fallu, alors là, un tas d'artifices pour essayer d'éviter de passer et de recevoir vos cailloux sur la tête. Nous l'avons emmené, nous l'avons fait tout le tour de Fa'a là-bas et enfin... Ah, il a pu venir déjeuner à la maison et il était très content. Et nous avons tout fait pour qu'il oublie, mais vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai, ça, on connaît ce dicton. Alors, par exemple, Monsieur le Président, vous nous dites que la société Jiangmin... va investir $1 milliard, c'est-à-dire 100 milliards. Mais de quels investissements il s'agit? De quels investissements il s'agit? Parce qu'il me semble qu'en ce qui nous concerne, on nous demande de mettre à leur disposition des biens fonciers, notre participation est bien précise, les concessions maritimes. Mais ces milliards que les Chinois vont apporter, vont servir à quoi? Quel est l'objet de ces... C'est ce que l'on veut? On veut savoir. Là, on est dans l'obscurité la plus totale. Vous avez signé un document, là, on vous a vu à la télévision, vous embrassez avec les Chinois, là. On ne peut pas avoir ce document-là que vous avez signé. Pourquoi est-il caché? Pourquoi n'est-il pas rendu public? Pourquoi n'est-il pas transmis à la représentation populaire? Il y a des points obscurs partout. On a l'impression qu'on veut nous cacher certains points de ce dossier-là. Alors vous nous accusez, vous dites « oui, vous ne voulez pas sauver toutes ces personnes qui auront un emploi ». Mais qui a mis toutes ces 15 000 personnes au chômage aujourd'hui? C'est votre politique. C'est votre politique qui a fait que 15 000 travailleurs ont perdu leur emploi depuis 2004 jusqu'à nos jours. C'est votre politique qui a fait que 70 000 Polynésiens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est votre politique qui fait que 71 000 Polynésiens sont maintenant ressortissants du RST. La pauvreté, la misère est établie, s'est installée chez nous depuis 2004, depuis que vous dirigez notre pays. Alors, excusez-nous, nous avons quelques doutes donc sur votre efficacité et bien sûr que nous voulons que ce projet devienne notre projet. Nous sommes favorables. Mais donnez-nous tous ces renseignements-là dans un premier temps. Maruru, Maruru Maitei, Armel Merceron. Vous critiquez Ifremer,
Mais ce sont vos amis socialistes qui dirigent Ifremer. Ça ne va plus avec eux, là, c'est plus... D'autre part, je voulais dire à mon ami Vito Matua, tout à l'heure, qui, bon, c'est comme ça, à la veille de chaque élection, on enfourche le cheval de bataille des expérimentations nucléaires, vous avez soutenu les expérimentations nucléaires, etc. Mais, monsieur Mamadou, vous êtes bien content d'avaler les 18 milliards, l'argent sale des essais nucléaires. Si vous étiez correct envers vous-même, refusez cet argent du nucléaire. Mais vous êtes bien content, là, hein, à la fin du mois, d'avaler ces fonds du nucléaire. Mais pire encore. Armel Merceron, vous avez la parole. Gaston Tongson, vous avez la parole. Yaouera. Maruru Trigdini. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir sur le sujet. On commence à élever un peu la voix. La campagne électorale n'a pourtant pas encore commencé. Nous ne faisons pas de politique, là, pas encore. Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président. Merci pour tout ce qui a été dit. Sur ce premier article de cette délibération, je me demande pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas tourné vers notre banque pour emprunter de l'argent. C'est notre banque, elle nous appartient en partie. Voilà une société qu'il faudrait associer à ce projet, si vous êtes persuadé que c'est un projet viable, et ce en fonction des prévisions, des gains que va dégager ce projet. Ce projet, comme vous le dites, va développer le pays, va créer de l'emploi, peut-être. Mais nous n'avons aucun élément entre nos mains. C'est le temps qui nous le montrera. À notre avis, ce projet se fait dans la précipitation. Il n'est pas prêt. Alors, il y a une petite contradiction dans le sens où ils vont investir ici pour faire repartir les fonds dégagés vers l'extérieur. Sauf erreur de ma part, Vito, je pense que ça sera encore plus grave que la bombe atomique. Donc, présentez-nous un projet bien ficelé, prêt, car nous n'en sommes qu'à l'écorce du projet, qu'à la couverture extérieure du projet. Concernant ce projet-là que vous souhaitez mettre en place, il n'y a donc que ce pays qui pourrait prendre en main ce projet. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde qui pourrait le faire. Faites un appel d'offres. Ne vous tournez pas directement vers une seule entité. N'y a-t-il donc pas d'autres pays? Le Japon, Taïwan, l'Indonésie, l'Inde. Peut-être qu'ils seront meilleurs que les Chinois, qui le sait. Et peut-être qu'ils nous rapporteront deux fois plus d'argent. Pourquoi est-ce que vous allez directement à la rencontre de cette société? Et ce, même si vous affirmez que le pays ne mettra pas d'argent dans ce projet, vous ne pouvez pas le dire, car on voit aujourd'hui que c'est le cas.
On nous demande de sortir de l'argent de nos poches. Alors que la population est en souffrance aujourd'hui. Et si ce projet était vraiment viable? Mais je pense qu'il y a bien d'autres pays dans le monde qui seraient intéressés à entrer dans ce projet. Monsieur le Président, vous êtes pourtant rendu au Japon. Ils se sont des pionniers en termes de protection de l'environnement. Si ça avait été fait comme ça, eh bien, nous aurions été d'accord avec ça, et puis nous aurions voté, eh bien, pour un dispositif, pour un projet qui aurait été le meilleur et le plus efficace pour notre pays et qui aurait apporté du bénéfice. Vous nous parlez de 150 milliards, mais combien se feront-ils d'argent sur ces investissements? Peut-être qu'ils multiplieront par trois leurs bénéfices. Et nous ne récolterons que les restes. Et à ce moment-là, Vito et tous ses amis, eh bien, se plaindront, mais ça sera trop tard. Le temps nous le montrera. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire de Taïarapu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai pitié de notre ancien président, Monsieur Tang Song. Ses arguments ne sont pas très mirobolants. Et puis, on découvre des comptes. Donc, la Cour des comptes pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, la population n'a pas de travail et qui sont... Quelles sont les sociétés qui ont bénéficié de toutes ces aides du pays? Et je m'inquiète pour notre population. À mon avis, ces personnes ne s'inquiètent que de leur situation et de leur siège ici à l'Assemblée, mais ne s'inquiètent pas de la situation de la population. Donc il y a eu une grande réunion d'organiser dernièrement avec les élus communaux et bien les représentants de l'Union européenne. Et je remercie notre sénateur, monsieur le sénateur, monsieur Tuheyeva. Est-ce que nous siégeons ici pour la population, pour nous-mêmes? N'allez pas mentir à la population demain, ça suffit. Vingt sociétés ont bénéficié de plus de 150 milliards. Qui a plongé notre pays dans le déficit aujourd'hui? Vous en êtes responsable, vous aussi. Alors, nous parlons de 140 milliards. Si ça avait été distribué correctement, eh bien nous ne nous en serions pas rendus où nous sommes aujourd'hui. Seulement 20 sociétés en ont bénéficié durant les années précédentes. Parlez-nous un peu de ces sociétés. Qui sont-elles, si vous en avez dans le pantalon? Monsieur le Président, avançons. La majorité croit en ces investisseurs chinois qui, eh bien, pourront donner du travail à notre population et développer notre pays. Merci, Monsieur Vito Mamatua, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais bien remercier notre sénateur, car il m'a dit qu'il m'aimait, que j'étais son grand ami. J'aimerais remercier également M. Tang Song.
C'est vrai, monsieur le sénateur. J'étais également sur la route ce jour-là où, eh bien, comme vous dites, nous étions opposés à la venue des Chinois. Mais il semble que vous n'avez pas lu les banderoles que nous brandions ce jour-là. Nous n'étions pas contre les Chinois à l'époque, mais plutôt contre cette personne dont vous nous parliez. Et nous avions eu raison, car il y a eu des difficultés avec cette personne par la suite. Vous nous dites seulement ce que vous voulez dire, mais pas la totale vérité. Au sujet des essais nucléaires, monsieur le sénateur, vous savez que c'est mon combat depuis mon engagement politique. J'ai fait beaucoup pour que les essais nucléaires cessent dans notre pays et pour que nous accédions à l'indépendance. Voilà les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas. Qui a donc accepté? Qui a été pour le statut de notre pays aujourd'hui? Notre population, la République française et tout le monde sait connaître très clairement notre combat idéologique. Qui a accepté que les essais nucléaires soient organisés en Polynésie sous l'époque de Mitterrand? Eh bien, c'est M. Gaston Flos. C'est vous qui avez accepté que la France vienne faire ses essais nucléaires ici, que nous restions français et que notre population continue à être utilisée. La question que je vous adresse, monsieur le sénateur, et avec beaucoup de respect, vous nous parlez des 18 milliards. Qui les utilise? Ça fait 18 mois que nous sommes au pouvoir. Vous y êtes resté 30 ans. Où sont passés tous ces milliards? À mon avis, ce n'est qu'un avis, monsieur le sénateur, vous me corrigerez certainement. Si vous n'aviez pas détourné l'argent du peuple, je pense que notre société s'en serait un petit peu mieux portée. Vous vous souvenez de votre surnom à l'époque, monsieur 20%. Voilà tout ce qui s'est passé dans notre pays et qui a fait que nous en sommes arrivés à la situation que nous connaissons. Il y en avait sur la table, mais également sous la table. C'était pire que les jeux d'argent. En 2006, le président Temaru m'avait demandé de regarder un peu ce qui se passait au niveau des bateaux de pêche que vous aviez fait venir de Chine. Il n'y avait aucun élément concret, aucune facture. Ce n'était pas du tout clair. Je me suis donc rendu en Chine et j'ai demandé à mon interprète de prendre contact avec les armateurs qui avaient fait venir ces bateaux et de les informer que le gouvernement du pays avait changé. Et il leur avait été également demandé s'ils savaient que l'interprète leur avait également dit que le président Teitinui Rawaai avait changé et que c'était moi. Et ces investisseurs m'avaient demandé à l'époque combien je voulais, quelle commission est-ce que je voulais pour mettre en place ce projet. Et donc je me suis rendu compte que ça faisait partie de vos pratiques à l'époque. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Et c'est ce pourquoi nous en sommes arrivés jusque-là aujourd'hui. Si
ça avait été géré correctement, si les fonds publics avaient été gérés correctement, nous n'en serions pas arrivés aujourd'hui. Aussi, il nous faut applaudir des deux mains notre gouvernement, car nous commençons à transformer un peu notre façon de voir les choses dans notre pays, la façon de voir, de fonctionner notre société, et bien se dire que on gagnera notre pain à la sueur de notre front. Merci. Monsieur Hirote Farebe. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président de Maorinui, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Sénateur, Monsieur le député qui est sorti, Monsieur le Président Tang Song, bonjour à tous. Ce débat est très intéressant. Tout ce qui a été dit est correct en somme, mais à mon avis, il est là notre problème. C'est que nous ne prenons pas en considération les réponses qui nous sont formulées, notamment en ce qui concerne ce qui nous a été dit par notre président Oscar Temaru sur les démarches qui ont été entamées à New York. Et j'espère que, on arrivera au bout de ces démarches pour le bien de notre population. J'aimerais également remercier le maire de Teyarapu pour toutes les informations qu'il nous a données au sujet de tout ce qui se passe dans un pays qui nous est proche finalement. Et je ne pense pas que nous sommes moins compétents et moins intelligents que les Kanaks. Et je ne souhaite pas qu'on dise que nous sommes plus bêtes que les Kanaks. Ils se sont battus, du sang a coulé. Ils ont été à New York et ont mis en place les accords de Nouméa. Et ils ont essayé de trouver tous les moyens pour que le développement de leur pays, leur soit confié et soit entre leurs mains. Un Polynésien a lui aussi mis en place une société de nickel en Nouvelle-Calédonie avec 51% des parts pour 49% pour un pays étranger. Dans le monde, nous savons, nous nous renseignons sur Internet, nous regardons la télé. Nous savons très bien l'importance qu'a notre pays et qu'a la Chine. Et nous savons que plus d'un milliard de personnes sur la planète Terre meurent de faim. Nous nous sommes contentés de nous appuyer sur l'époque du CEP. Pendant 30 ans, on nous a dit qu'il ne fallait pas nous inquiéter. Et nous avons donc vécu de l'import-export, mais surtout de l'import. Et celui qui en avait parlé à M. Posselier à l'époque, c'est M. Bernard Poirine, qui a dit d'ailleurs la semaine dernière, que c'était finalement un projet qui pourrait être très intéressant que d'aller chercher des investisseurs étrangers pour venir investir en Polynésie. Ce que j'aimerais dire également, c'est que les 50 000 km² d'océan qui nous entoure. Si seulement nous avions utilisé le lait et le miel qui coulaient à flot à l'époque pour développer notre océan, nous aurions peut-être eu un système un peu plus efficace. Ça me fait sourire le fait que l'opposition demande à la majorité qu'on leur donne toutes les informations relatives à la convention qui a été signée entre le pays et la Chine. Je voulais à l'époque siéger au sein de la SOFIDEB, la SOCREDO, de la Poste, la CPS, mais jamais
ça n'avait été accepté. Ce n'est que maintenant que nous avons mis notre nez dans toutes ces affaires. Dans le statut de notre pays, il y a une disposition qui prévoit le débat d'orientation budgétaire pour débattre de toutes les de la politique budgétaire du pays. Ce n'est que depuis 2010 que nous tentons d'assainir les comptes et les finances du pays et de redresser la situation du pays. Il faut arrêter de construire des ports et des aéroports. Ce n'est plus le ciment qui va développer notre pays, mais l'environnement qui nous entoure, notre nature, les richesses qu'elle contient. Voilà où nous en sommes rendus. Construire une nouvelle réflexion. Concernant le projet qui nous est présenté aujourd'hui, je demande à nos collègues de l'opposition de soutenir ce projet. Et pour cause, notre sénateur nous disait que le Tahoeraa n'était pas opposé à ce projet, mais qu'il souhaitait avoir un peu plus de précision. Le président du pays pourrait rencontrer le président du Tahoeraa tout à l'heure pour discuter des termes exacts de ce contrat entre la Chine et la Polynésie. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui nous a été dit par notre maire de Taiarapu. Et je l'ai demandé à plusieurs reprises. Il nous faudrait comptabiliser le montant exact de la défiscalisation et le nom de toutes les sociétés qui en ont bénéficié et qui sont aujourd'hui à l'origine du déficit que connaît le pays. Il nous faudrait trouver un nouveau système et une nouvelle société. Et c'est ce que le gouvernement du pays s'attache à faire actuellement. Notre population a une certaine connaissance en termes d'élevage aquacole. Lorsque notre président s'est exprimé sur RFO, certaines personnalités de l'extérieur et notamment des États-Unis s'étaient exprimées. Et il avait dit que finalement la Polynésie était très chanceuse car jamais à l'époque nous ne manquions de rien avec les mesures de restriction qui avaient été mises en place dans toutes les îles de notre pays, le Rahui. Mais aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité et pourtant, c'est ce qui a permis à nos anciens, à nos ancêtres, à nos parents de survivre à l'époque. Et au travers de cette convention qui est signée entre la Chine et notre pays, nous pouvons espérer que nous remettrons en place ces richesses ancestrales et redistribuer convenablement les richesses de notre pays. Toutes les richesses que contient notre sol, nous n'en arriverons pas à bout. Il y a plus d'un milliard de personnes qui meurent de faim dans le monde entier. Et les sociétés qui s'implanteront dans notre pays demain, parce qu'elles apporteront des fonds supplémentaires à notre pays, seront moins taxées, comme ça se fait actuellement en Nouvelle-Calédonie. Je me rends souvent en Nouvelle-Calédonie et je sais comment les choses se passent là-bas actuellement. Et certaines sociétés de nickel, s'inscrivent également dans la même démarche que celle que nous menons actuellement. Et c'est vrai que la France n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe.
et n'est pas tout à fait d'accord avec les démarches entamées par les élus néo-calédoniens. Donc, je demande à nos collègues de l'opposition de soutenir ce projet pour le bien de tous. Merci. Monsieur Myron Matao, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais pour commencer, eh bien, vous citez cette citation en anglais, Peace and Love, paix et amour. Mettons ça en place dans notre assemblée. Car bien, je constate que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont du sang et des origines chinoises. Il y a une société chinoise très importante dans notre pays, une communauté chinoise très importante. N'agissons pas ainsi. Rappelez-vous que quand les Chinois sont arrivés dans notre pays, eh bien, ils étaient finalement esclaves et ils ont réussi à s'intégrer dans notre pays. Ils ont réussi dans les affaires. Et ils ont réussi. Tangso, Tangsong et bien d'autres. Monsieur Matao aussi, parce qu'il a des origines chinoises. Donc, je vous demande de ne pas aller jusque-là, car les Chinois, la communauté chinoise, a en elle la fibre commerciale et sait développer les choses. Il nous suffit de constater qui sont les commerçants dans notre pays. La plupart d'entre eux sont des Chinois. La plupart des magasins sont tenus par des Chinois, car ils savent comment développer eh bien, le commerce et le pays en général. Ils ne viennent pas ici uniquement pour s'enrichir, mais pour développer le pays, pour le bien de la population et pour le bien de tous. Et utiliser eh bien, leur argent pour développer notre pays. Ils viennent ici pour mettre en place des parcs d'élevage aquacole. Nous sommes entourés de 5 millions de kilomètres carrés d'océan. Ce n'est pas petit. Il y a de la place pour tout le monde. Je vais abréger, Monsieur le Président. Voilà, je vous le disais donc, peace and love, paix et amour. Merci, Madame Armel Merceron. Parce que depuis tout à l'heure, vous avez remarqué que vous laissez la parole qu'aux hommes, et moi, ça fait déjà une demi-heure que je lève le doigt et que vous ne me regardez pas. Voilà. Moi, je constate aussi que la manière dont vous gérez les débats est assez étonnante. Tout à l'heure, vous m'avez empêché d'aller jusqu'au bout, et là, maintenant, vous laissez la logorée déborder sur toutes sortes de sujets, hein, de poids, de mesure, là aussi. Donc, je voudrais revenir sur le sujet technique. Hein. Tout à l'heure, Sandra Lévy-Agami, qui représente notre assemblée au conseil d'administration, a confirmé ce que je disais, à savoir que le dossier a été complètement traité en toute irrégularité par la SOFIDEP. Je pense que c'est vraiment un premier point. Hein. Et on n'a pas respecté le règlement intérieur, et c'est déjà une faiblesse de votre dossier. Et je voudrais aussi répondre à M. Fribourg. Pour ce qui concerne Aranui, c'était une entreprise polynésienne qui a fait ses preuves, et on savait très bien qu'on n'irait pas, et pendant longtemps, au-delà de l'investissement pour le bateau. Tandis que, et donc, c'est bien une moyenne entreprise polynésienne. Par contre, là, dans vos délires, on va arriver à 15 milliards. Il n'y a aucune comparaison possible. Donc, vous êtes de mauvaise foi. C'était ce que je voulais dire. Malheureusement, je voudrais vous préciser une chose. Merci. Madame Merceron. Lorsqu'il s'agit de la position des groupes, la conférence des présidents fixe le temps de parole des groupes. Pour les non-inscrits, vous aviez 10 minutes pour tous les non-inscrits.
Donc, monsieur le maire de Tagarapouès a parlé 5 minutes. Il vous restait 5 minutes pour combler les 10. Et vous avez dépassé, les minutes qui vous étaient accordées. Quand il s'agit, retournez-vous et regardez-moi. Quand il s'agit des discussions sur les articles, le temps est laissé à la discrétion du président. Et quand le président juge la discussion suffisamment avancée et sereine, on passe au vote. Il reste une intervention, Madame Françoise Tama, et ensuite le gouvernement répondra et on passera au vote. Françoise Tama, Tiaouera. Madame Françoise Tama, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ciel bien pour cette rencontre qu'est la nôtre ce matin. Donc, j'aimerais revenir premièrement sur l'annonce qui nous a été faite par le président du pays, à savoir que notre demande de réinscription sera étudiée à New York. Et je pense que ça fera avancer le pays et que ça nous permettra de revenir sur toutes les difficultés que connaît le pays. La politique qui a été mise en place dans notre pays, c'était d'empêcher le développement de notre pays et d'emprisonner notre population et notre société. Il y a 70 000 personnes qui dépendent du régime de la solidarité de Polynésie française. Vous n'avez de cesse de nous accuser que nous ne faisons rien de bon et que nous ne créons pas d'emploi. Vous avez géré les affaires du pays pendant plus de 30 ans. Et quelle en est la finalité finalement? 70 000 personnes sont inscrites au RSPF. Vous êtes responsable, car quand vous plantez un arbre, il ne produit pas au bout d'un an, mais au bout de 30 ans. Le gouvernement du pays nous présente un projet pour développer notre pays. Mon avis sur toutes les critiques qui ont été émises par l'opposition, monsieur le député, écoutez-moi. Donc, mon avis sur la ligne politique de l'opposition est le suivant. Nous avons entendu l'URL nous parler de la loi électorale, si elle allait être modifiée. Vous l'aviez demandé à M. l'URL et il vous a répondu. Et M. l'URL, vous avez répondu, mais Monsieur le Sénateur, vous savez très bien ce qui se passe. Vous connaissez bien les modalités d'application de la loi électorale. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de cette façon-là? Parce que la France ne veut pas que ce pays se développe. Et qui aide la France dans ce processus? C'est vous. C'est vous qui soutenez la France dans son absence de volonté de voir le pays se développer. Il faut guérir le pays de cette maladie qui est le non-développement de notre pays. Il y a 70 000 personnes qui sont inscrites au régime de solidarité territoriale. Vous passez votre temps à critiquer les Chinois, à critiquer les uns et les autres. C'est ça votre ligne politique. Vous passez votre temps à critiquer les uns et les autres alors que notre pays est en faillite à cause de vous. J'ai pitié de mon pays. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire.
Je suis heureuse que notre pays, que la demande de notre pays de réinscription sur la liste de l'ONU soit étudiée à l'ONU. Merci. Monsieur Frébeau, vous avez la parole. Je vais répondre aux interrogations. Ah, c'est dommage. Chaque fois que je dois répondre, Armelle n'est pas là. Je crois qu'elle confond la procédure. Le conseil d'administration de la SOFIDEP est obligatoirement dans la position où il demande l'accord de l'autorité, c'est-à-dire de l'Assemblée. Il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas que le conseil d'administration dise oui. Non. La question qui a été posée au conseil d'administration, voilà un sujet. Réponse du conseil, nous devons obtenir la décision de l'Assemblée, car vous êtes l'autorité délibérante sur la construction de la SOFIDEP. Le conseil d'administration met en application vos décisions. Alors on me dit aujourd'hui, mais le dossier, je dis, on ne va pas étudier un dossier, vous ne les avez pas autorisés. Reprenons les procédures en la matière. Je crois que c'est très clair. On s'y concerne cela. Ensuite, les interrogations. Mais qui c'est cette société? Qui sont ses actionnaires? Et bien sûr que nous avons pris nos précautions. Et bien sûr, j'ai ici tous les documents en chinois. Je ne sais pas lire le chinois encore. Jiming Fishery, effectivement créé en 2012. C'est le CABIS. C'est la déclaration de la Chambre de commerce de Hong Kong. Mais bien sûr que j'ai demandé, je veux connaître exactement le relationnel. Ensuite, nous avons le fonds d'investissement. Le fameux fonds d'investissement. Là aussi, c'est en chinois. J'ai essayé d'apprendre dans la nuit, mais je n'arrive pas à prononcer. Ça, c'est le fonds d'investissement. Rassurez-vous. Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas suffisant. Je les connais, ceux de l'Assemblée. Je veux un engagement formel. L'engagement que j'ai obtenu, et là, j'ai demandé également, c'est un certificat en chinois. J'ai demandé la traduction exacte. Voici ce qui est dit. Au titre de Changjing Investment Fund, c'est-à-dire le fonds d'investissement, nous déclarons que les fonds nécessaires pour votre projet de coopération d'exploitation des ressources marines en Polynésie française seront alloués par notre fonds d'investissement. C'est l'engagement du conseil d'administration du fonds d'investissement, donc à destination du soutien du projet qui sera monté au titre de la SAS. Alors, je me suis dit, je vous connais, vous êtes sceptique. Vous trouverez tout pour éviter le débat. Enfin, je vais en finir pour clarifier les positions de chacun, les situations. Vous permettez, si vous ne voulez pas que je vous réponde, on passe au vote. Voilà. Dans le MOU, il est indiqué Jimin's Investissement, fondé spécifiquement pour démarrer et mettre efficacement en œuvre le projet de coopération halieutique avec la Polynésie et enregistré et domicilié à Hong Kong. Tous les actionnaires de Jiming Investment sont membres du conseil d'administration de Changjing Fund Management. Là, voilà l'organisation et la liaison. Bien entendu qu'ils ont créé une société spécifique au développement du projet ici. Ils sont eux-mêmes membres du conseil d'administration de ce fonds de développement. Voilà comment s'organise la situation. Et moi, je remercie le président Oscar Manukai Temaru d'avoir exigé de 51% polynésiens. C'est la première fois qu'on fait. Maintenant, je m'aperçois qu'il y a un autre projet. Faire venir l'IFREMER à la place de la SOFIDEP. Je ne sais pas si c'est à la compétence de l'Assemblée de décider que l'IFREMER aille investir là ou là. Je lui donne le projet, je ne sais pas. Franchement, voilà. Ce qui est clair, c'est que nous avons pris nos assurances sur la Constitution et notamment les liens qu'il peut y avoir. Et nous avons obtenu ces engagements. C'est à ce titre que nous vous posons la question. Est-ce qu'on peut autoriser la SOFIDEP à le faire? Mais quand viendra le temps de la décision de la mise en œuvre, je vais exiger davantage de pièces. Mais si vous nous dites non, ben, moi je m'arrête là. Mais je savais que le sujet allait venir là-dessus. C'est donc pour cela que nous avons recherché la sécurité juridique de ces sociétés, l'existence réelle, et notamment la capacité réelle à apporter les financements. Ce sont les documents que je vous ai donc montrés. Et par rapport au MOU, on est tout à fait en cadre. Mais la première question qui vous est posée, autorisez-vous, la SOFIDEP, à modifier
son cadre d'intervention. Ensuite, allez-vous autoriser la Sofitel à participer à 2% pour justement rester dans le cadre de la SAS, 2% à la Sofitel, 49% au pays, de sorte que c'est 51% aux Polynésiens. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je voulais apporter. Merci. Nous passons au vote de l'article 1er. Ceux qui sont pour, 31 voix pour. Ceux qui sont contre, 24 voix contre. L'article 1er est adopté. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Sur l'ensemble de la délibération, même vote. Adopté. Merci. Donc nous sommes arrivés au terme de l'étude de ce dossier. Donc je vous propose que nous allions manger et que nous reprenions nos travaux à 14h. Merci. Nous reprenons nos travaux. Je vous demande de regagner vos sièges. Nous en sommes rendus au deuxième rapport. Le rapport numéro 7-2013, et je demande à Madame le rapporteur, Madame Teruro Tane, de bien vouloir nous faire lecture de ce rapport. Attendez un peu, parce que j'ai beaucoup d'amour pour notre député français, je lui donne la parole. Monsieur le Président, je n'en aurai pas pour longtemps. Comme vous le savez, la communauté adventiste organise une grande rencontre à Hiti'otera ce soir à 18h. Je pense que nous sommes tous invités car ils attendent le président de leur église. Et j'aimerais donc vous demander donc comment s'organiseraient nos travaux. Merci. Donc je me suis entretenu avec le président du Tahoer Ahuir Atira et nous avons donc décidé de limiter la longueur de nos travaux afin que chacun puisse se rendre à cette réunion et honorer cette invitation.
aussi, après la lecture de ce rapport, eh bien, ne tardons pas, passons au vote directement. Fernand, vous avez la parole. Oui, juste une petite observation pour corriger ce qu'a dit le député. Ça ne commence pas à 18h, mais bien à 19h. Donc, nous limiterons la longueur de nos débats afin que chacun puisse se rendre à cette rencontre. Donc, je demande à Madame Teroro Tane de bien vouloir nous faire lecture de ce rapport. Le président de la Polynésie française a transmis au fait d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération relative à un accord préalable de prise de participation de 2% de la Société de financement du développement de la Polynésie française dans le capital social de la société par action simplifiée Aquacol dénommée Titinui Jinmin Ocean Farm. Il est envisagé que la SOFIDEP prennent une participation de 2% dans le capital social de la SAS Aquacol, Titinui, Jinmin, Ocean Farm. Globalement, le projet peut être défini ainsi qu'il suit. La création de la SAS Aquacol, Titinui, Jinmin, Ocean Farm formalisera la réalisation de la joint venture entre le pays et la société Jinmin Investment basée à Hong Kong. À cet effet, le pays propose à la SOFIDEP une prise de participation au capital de cette nouvelle société. Objectif de la société, création en Polynésie française d'une vitrine internationale de l'aquaculture, développement de l'ensemble de la filière, le centre de formation et de recherche appliquée, écloserie, ferme, tour à glace, fabrique d'aliments. D'une part, Jinmin Investment apporte le cash flow, la technicité aquacole, ainsi que le réseau d'experts et le marché. Et d'autre part, le pays apporte les emprises foncières et maritimes, les ressources et les infrastructures. Description du projet. Mise en place d'un centre aquacole modèle et innovant en matière de respect de l'environnement. Traitement des eaux usées, des déchets, utilisation de l'énergie photovoltaïque, système de surveillance de la qualité des eaux et des normes locales et internationales. Le choix des espèces de poissons, coquillages ou crustacés retenus pour l'aquaculture se portera sur des produits à haute valeur ajoutée, positionnés sur un marché de luxe et faisant référence à la pureté des eaux polynésiennes. Ces perspectives de déboucher sur le marché international constituent une réelle opportunité pour le pays eu égard à l'importance des coûts de production et d'acheminement qui grèvent nos produits à l'export. Structuration de la société. La société sera dénommée Titinui Jinmin Ocean Farm sous la forme juridique d'une société anonyme par action simplifiée. Le siège social sera basé à Papeete et aura pour objet toute étude et opération relative au développement de l'aquaculture en Polynésie française et plus généralement toute activité en relation avec les ressources maritimes et l'exploitation des produits de la mer. Le capital de départ sera de 15 millions. Celui-ci devra être porté à 2 milliards. 50 millions, excusez-moi. Et celui-ci devra être porté à 2 milliards par décision collective des actionnaires. Le schéma de financement prévoit un actionnariat de 49% pour le pays, 2% pour la SOFIDEP et 49% pour la société Jinmin Investment. Le conseil d'administration sera composé de 7 membres, dont 3 pour le pays, 1 pour la SOFIDEP et 3 pour Jinmin Investment. On observera que les règles qui régissent les sociétés anonymes par action simplifiée prévoient que les décisions d'Assemblée générale sont prises proportionnellement à l'actionnariat. Le président de la SAS sera nommé par l'Assemblée générale sur proposition du pays.
tandis que le directeur général sera nommé sur proposition de Jinmin Investment et le directeur financier sera désigné par le directeur général. L'augmentation de capital s'effectuera par l'apport en capital du pays dans la SAS par rapport en nature pour un montant de 968 250 000. Cependant, s'agissant d'un apport en jouissance, sans transfert de propriété, la décote est d'environ 30 %. Le montant des emprises à valoriser se monte donc à 1 258 725 000. La Sofidep devra quant à elle apporter 40 millions en numéraire. Les emprises foncières doivent être identifiées et valorisées en commission des évaluations immobilières. Une première CEI dédiée s'est d'ailleurs tenue le 3 janvier dernier. En signe de bonne volonté, les dirigeants du Jinmin Investment acceptent de céder à titre gracieux 1 % de leur capital au pays. Compte tenu du statut juridique de SEM de la Sofidep, il est apparu nécessaire que notre Assemblée, qui l'a créée, se prononce préalablement par délibération sur l'extension de son objet social et sur la prise de participation envisagée. L'accord exprès de la collectivité pour la prise de participation de la Sofidep au capital de la SAS Aquacol. Du point de vue de l'intervention de la SAML Sofidep dans une société commerciale, suivant la loi numéro 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale, article 8, toute participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de le groupement actionnaire disposant d'un siège au conseil d'administration. L'article 1er des statuts de la Sofidep indique que il est formé entre les propriétaires d'actions ci après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement une société anonyme régie par les présents statuts et les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés. L'activité des sociétés s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur, sauf exception expresse formulée par la loi ou le règlement. La Sofidep ne peut donc s'exonérer en partie ou totalement de l'application de la loi de 1983. Dès lors, pour permettre une décision définitive du conseil d'administration de la Sofidep sur cette prise de participation susceptible d'augmenter ses charges, l'accord de la collectivité est demandé. Tel est donc l'objet du projet d'élimination ci-joint que nous rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des finances, d'adopter. Merci. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 10 minutes par groupe politique. Donc, nous avons déjà discuté sur le sujet ce matin. On n'a peut-être pas besoin d'en parler encore une fois. On va faire du réchauffé, là. Bon, ben, réchauffons, alors. Et je demande à l'intervenant du groupe Tahouera, Huir Attila, de bien vouloir nous exposer son point de vue en un temps limité de 10 minutes. Au lieu de 15, j'en prendrai 12. Non, Monsieur le Président, comme vous le savez, sur cette délibération de notre Assemblée, nous avons déposé un amendement. Car nous estimons en effet que, compte tenu de la spécificité de cet investissement, hein, nous allons apparemment investir dans l'aquaculture, nous vous proposons de substituer la Sofidef à un autre organisme, et en l'occurrence l'IFREMER, qui est un organisme qui est installé dans le pays, qui connaît bien le milieu marin polynésien, qui a fait des expériences dont certains effets sont exploités aujourd'hui par le pays, je pense plus particulièrement à l'élevage de poissons.
Je ne parle pas des expériences et des recherches qui sont faites au niveau de la pelliculture, puisque, comme vous le savez, l'IFREMER a été beaucoup sollicité par le pays. Néanmoins, ici, dans cette délibération, nous souhaiterions avoir quelques réponses, malgré tout, à des questions qui se posent. D'abord, sur cette notion de vitrine internationale de l'aquaculture. Nous avions un produit qui aurait pu, en effet, être un produit exceptionnel, puisque nous étions, et nous sommes toujours pratiquement les seuls producteurs au monde. Il s'agit de la perle noire, on en parlera un peu plus tard. Là, je pense, en effet, qu'on peut parler d'une expérience exceptionnelle sur un produit exceptionnel et sur lequel la Polynésie aurait pu montrer toute son expertise et sa technique. Ici, on nous parle d'une vitrine internationale sur des produits dont on n'a toujours pas connaissance. On nous dit en effet que on va s'orienter vers la production de certains produits à haute valeur ajoutée. Il faudrait peut-être que l'on ait un peu plus de précision sur le choix qui a été fait. Car, comme l'a dit ce matin, nous ne savons déjà pas où va s'installer, en fin de compte, où vont s'installer. Il s'agit des centres de recherche, des centres d'exploitation. Le choix n'est toujours pas fait. Maintenant, vous nous parlez, dans ce rapport, vous nous parlez en effet des produits qui vont être positionnés sur un marché de luxe, faisant référence à la pureté des eaux polynésiennes, bon, lesquelles eaux pourtant, depuis quelque temps, vous n'arrêtez pas d'affirmer qu'elles sont complètement polluées par les essais nucléaires, mais enfin, ça va peut-être créer des poissons, ça va nous mettre au monde des petits poissons aux yeux brillants, n'est-ce pas? Avec tout le rayonnement nucléaire qu'il y a pas loin de Hao, si c'est à Hao. Voilà. On a besoin malgré tout d'un peu plus de précision. Ce matin, nous vous l'avons dit, nous ne sommes pas opposés pour être opposés au projet tel qu'il est présenté, parce que je crois que c'est en effet, nous sommes tous d'accord, il nous faut aujourd'hui créer une économie qui soit une économie productive, hein, sur laquelle on peut créer des emplois, mais il faut quand même aussi préciser des choses pour que vous puissiez apporter notre adhésion. Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, nous allons voir aussi une des remises au point qui va être faite au niveau du collectif budgétaire. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de ces terres que nous allons apporter au capital de la société? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va mettre dans la balance pour atteindre le 1,258,725,000 francs pour, d'ici la fin mars, concrétiser notre apport au capital de cette société? Et puis, question récurrente depuis ce matin, que vont apporter ces investisseurs en numéraire et dans quoi vont-ils investir pour pouvoir, disons, apporter leur poids dans la balance? Aujourd'hui, et tel que le dossier nous est présenté, ce qui est certain, ce sont les engagements du pays. On sait ce que nous apportons dans la balance, mais par contre, on se pose toujours des questions de savoir qu'est-ce que ces gens-là vont nous apporter pour que cet investissement soit productif pour nous. Là, produire quelque chose, produire des emplois, produire de la richesse. Merci. Je demande à l'intervenant du groupe Temana Otamamoto, pas d'intervention. Je demande à l'intervenant du groupe Totato Ai, Monsieur le Président Thompson. Merci, Monsieur le Président. La question qui se pose à l'heure actuelle, et ce, bien par rapport à ce qui avait été dit concernant notre participation nulle en numéraire à cette société, mais une participation seulement en nature, dirais-je. Et
fenua, miti. Tatato et pupura ertuite ye tayet. Donc, si on se réfère à ces 1,2 milliard de participation que nous devons attribuer à la société en nature, eh bien, ça correspondrait à près de 300 000 km carrés d'océan. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est ce sur quoi il n'y a pas eu de précision ce matin lors de notre discussion sur le premier dossier, et ce, même si le ministre nous a fait un peu lecture des thèmes de la convention qui avait été rédigée en chinois. Si seulement, eh bien, cet argent avait été versé à la société, eh bien, par une banque, par le biais d'emprunts, eh bien, ça nous aurait peut-être calmé. Et si la banque de cette société chinoise vous avait affirmé que eh bien, vous pouviez lui faire confiance parce qu'elle avait réellement de l'argent dans ses caisses, ça aurait peut-être calmé les ardeurs de chacun. Car il faut que vous sachiez que, eh bien, au travers de cette société, eh bien, les Chinois ont une opportunité de venir s'installer définitivement en Polynésie française. Donc, on nous a parlé de la communauté chinoise en Polynésie tout à l'heure, mais les Chinois dont on parle actuellement, eh bien, ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient venus à l'époque. Car à terme, nous quitterons notre pays. Aussi, il faut rester vigilant. Vous ouvrez une porte, et quand cette porte sera ouverte, eh bien, il ne nous sera plus possible de la refermer. Aussi, soyons vigilants. Ne nous réjouissons pas devant ce miroir aux alouettes, car nous risquerions d'y perdre gros. Aussi, bien, soyez vigilants. Aussi, monsieur le président, vous comprenez que, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec, eh bien, ce projet de délibération. Demain, n'allons pas sur dans les 15 ans qui viennent, regardons simplement demain. Comment est-ce que cette société va débuter ses activités? Combien de personnes vont être embauchées? Nous n'avons pas besoin d'attendre eh bien, des mois et des années pour voir comment est-ce que ça va se passer. On veut savoir comment ça va se passer demain. On dirait que tous les chiffres qui nous sont présentés eh bien, sont là pour nous faire un peu tourner la tête. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. On aurait peut-être dû eh bien, demander à la Socredo de prendre part à la société et laisser la Sofidep vaquer à ses occupations originelles. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je demande aux non-inscrits s'ils ont des observations à formuler. Madame Armelle Merceron, vous avez la parole. Oui, je continue ce que je n'ai pas terminé ce matin. Il est certain que la politique chinoise de pénétration politique et économique du Pacifique est une évidence. Et face à cela, nous sommes vraiment un nain politique et économique face à un géant.
Et la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si nous sommes des partenaires égaux. Ce matin, par exemple, je relisais le compte-rendu de la commission et je notais que le ministre en charge de la mer a reconnu en commission donc les échecs en termes de développement durable pour les petits pays accueillant qui ont accueilli des investissements chinois du même type dans le Pacifique. Et il disait, mais nous, on va être à l'abri de cela. Mais dans les documents que vous nous avez donnés, rien ne prouve qu'on sera à l'abri d'une mésaventure écologique et économique. Et je réitère ce que d'autres ont dit, mais donnez-nous l'accord que vous avez entre les mains. Dites-nous où vous en êtes de vos études. Et là, on pourra, avec un peu plus de transparence, peut-être commencer à vous croire. C'est toujours sur la base de quelques généralités. C'est une page d'un hebdomadaire de La Place qui apporte les informations. Donc, sur la base de quelques généralités que l'on trouve aussi par bribes dans le rapport de présentation, vous voulez nous engager dans un montage qui représente 1,5 milliard de dollars, c'est ce que disait le président de la Polynésie française ce matin, sur 15 ans, 22,5 milliards. En plus de ça, comme l'ont dit mes collègues, on mettrait à disposition des biens du patrimoine polynésien d'une valeur de plus d'1,2 milliard de nos francs. On est à 3 mois du moment où vous devez exécuter cet apport. Donc vous êtes capable de nous dire quelles sont les terres, quelles sont les biens du patrimoine polynésien que vous comptez remettre dans les mains de cette société ? Ou vous ne le savez pas et ce n'est pas sérieux, ou vous le savez et vous êtes malhonnête parce que vous ne nous donnez pas l'information dont nous avons besoin. Je prends maintenant l'obligation d'apport du partenaire. Alors on nous dit qu'il va apporter la même somme, 968 millions plus exactement, en cash flow et en technologie. Mais il n'y a pas d'apport plus difficile à évaluer que cela. Donc dites-nous comment vous allez, sur quelle base vous allez faire cette évaluation. Et là, franchement, nous nous tairons. Vous cachez cela, c'est douteux, absolument douteux. Autre question, quelle garantie avons-nous du savoir-faire de ces investisseurs qui ont créé leur société il y a quelques mois? Est-ce qu'ils ont déjà de l'expérience dans l'aquaculture de pointe? Si vous me dites oui, vous m'apportez les preuves, je me tairai. Pour un projet qui n'est même pas traduit, comme je le disais ce matin, en termes d'investissement chiffré, de business plan, de choix technologiques et de produits, on ne sait même pas encore quel poisson ils vont choisir. Franchement, ce n'est pas sérieux. Par contre, vous vous liez les mains dans un contrat de commercialisation qui va donner un droit de distribution exclusive à Jigmin Investissement. Vous savez ce que ça veut dire, un droit de distribution exclusive? Ça veut dire qu'il va être il va avoir le monopole pour acheter les produits, pour les vendre où il voudra. Et forcément, quand vous donnez par contrat un monopole de distribution exclusive à quelqu'un, vous lui laissez toute liberté pour fixer les prix et les conditions d'achat aux producteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, puisque vous dites vous-même que le coût de production en Polynésie est élevé? Eh bien, il va acheter le moins cher possible pour pouvoir compenser les coûts de production et les coûts de transport et avoir un prix qui devrait pouvoir rester compétitif pour les riches chinois, puisque le but, c'est le marché de luxe. Franchement, c'est les menottes que vous vous mettez aux mains avec cet accord-là. On en reparlera si vous arrivez à le mettre en route, vous verrez. Autre question. Pourquoi avoir choisi de créer une société anonyme simplifiée? La seule que je connaisse dans le domaine public, c'est Aveia. Bon, franchement, c'est une société qui fonctionne aujourd'hui encore uniquement à 100% d'oxygène public. Une SAS. C'est justement une société anonyme simplifiée parce que son organisation est adaptée au monde des affaires privées, de ceux qui risquent leur argent.
pour laisser un maximum de souplesse et de liberté pour décider. Un maximum de souplesse pour décider en toute liberté, en grande liberté. Alors vous me direz, mais non, la Polynésie française va nommer le président du conseil d'administration. Mon œil, ça va être une présidence honorifique. Il va toujours y avoir quelqu'un pour dire, allez, moi je prends cette présidence et je serai très fière. Ça sera un roi sans pouvoir, parce que ceux qui auront les pouvoirs, ce sont les réels dirigeants. Et vous ne pouvez pas me raconter le contraire. C'est-à-dire, le directeur général, qui sera forcément partenaire chinois, et le directeur financier, qui sont nommés par les investisseurs chinois. C'est eux qui auront les manettes. Là, à mon avis, vous vous faites avoir. Donc, franchement, je pense que vous êtes amateur dans cette affaire, ou que vous êtes tellement guidé par les perspectives électorales dans quelques semaines que vous nous entraînez vers quelque chose qui est très dangereux. Et je répète, joint aventure. Merci. Merci. Monsieur le maire de Taïarapouès, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, si vous le voulez bien, Temanot Momutu m'accorde son temps de parole. J'ai l'impression que bien, nous avons une vision pas très très élaborée. Vous savez que eh bien, quand l'armée eut fini ses activités en Polynésie, eh bien, Han a été rendu à la Polynésie. Et les dirigeants de l'époque avaient mis en place un dispositif visant à eh bien, assurer aux sociétés qui voulaient investir sur Han eh bien, une exonération totale de toutes les taxes prévues par le pays. J'ai véritablement pitié de notre ancien président, car il ne faut pas être aveugle, c'est un projet qui est mené avec beaucoup d'assurance. Vous savez que eh bien, le pays eh bien, a créé une entité de eh bien, une écloserie. Nous en avons une. Et pourquoi donc se tourner vers l'Ifremer? L'écloserie se trouve à Veirao. Alors, je vous prie de bien de croire en ce projet qui est actuellement mis en place par le gouvernement. Donc, eh bien, je lance un appel au maire. Allez parler aux jeunes populations de vos communes pour leur dire que là, il y aura de l'emploi dans ce projet-là. Allez informer vos populations. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que et au sujet du débat qui a eu lieu ce matin, parce que je n'ai pas pu m'exprimer complètement car nous avons été mangés, donc je pense que ce qui se fait actuellement est très bien. Car j'ai eu l'occasion de discuter avec le président de la Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Et dans une édition d'un journal en Nouvelle-Calédonie, donc il dit Harold Martin, président du gouvernement de la Polynésie française, Calédonie et maire de Païta, de conviction autonomiste, il dit bien. Nous y sommes depuis 1986 inscrits à l'ONU. Et je considère aujourd'hui que d'être sur cette liste est un avantage, notamment parce qu'il y a des règles très précises pour accéder à l'indépendance. C'est-à-dire pour nous et pour moi, en particulier qui suis opposé à l'indépendance, opposé, eh bien, je trouve que c'est bien. Sur cette liste, parce qu'il y a des grandes nations qui surveillent et il faut remplir les critères. Le premier des critères, c'est qu'une majorité de la population doit donner son accord pour l'indépendance. Hein?
Non, je disais que bien c'est une bonne chose que la demande de réinscription soit étudiée à l'ONU. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hey. Attention. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vous demandais, eh bien, pourquoi les Brésiliens, les Canadiens investissent en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, c'est parce que leur situation a été débloquée. Et vous, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers, il faut en discuter. Respectez le temps de parole. Hein? J'ai dit ce matin, les étrangers, les Brésiliens, les Canadiens. Hein? Non, j'ai le temps des Iliens. Les Iliens m'ont donné le temps, 10 minutes. Non, j'ai 15 minutes. Non, hé. Hey. Arrêtez de jouer du violon, là, les gars. Hein? Voilà. Ben, il faut respecter. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Concrètement. Oui. Alors, non, on n'est pas en campagne. C'est les affaires de l'Assemblée. Alors, hey, les médias sont là. Hey, respect, les médias sont là. Je ne suis pas candidat à l'Assemblée. Écoutez bien ce que je dis. Je ne suis pas candidat à l'Assemblée aux prochaines élections. Je ne suis pas candidat. Je vais sur aucune liste. Voilà. C'est dit. Je ne suis pas candidat. Mais je suis maire d'une commune. Il y a des jeunes. Oui. Eh bien alors, et moi, tu crois que c'est pas mon souci? Tu crois que c'est pas mon souci aussi, ma population? 7200 habitants? C'est quoi la dernière parole? La conclusion de Harold Martin, c'est quoi? Il était obligé de donner un quota de travailleurs étrangers parce qu'il n'y a plus assez de main-d'œuvre en Calédonie. Il a fait venir des Philippins, des Australiens. Hein? Est-ce que tu es resté en Calédonie? Moi, je suis resté en Calédonie, j'ai vécu en Calédonie. Deux ans, fire out Tratoni. Fighting at promo, really, auto? Promo, boy. Quand on dit la vérité, eh bien, vous vous énervez, hein? Le peuple vous écoute, hein? Le Chinois dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, s'est entretenu avec l'ancien président. Il avait proposé que de l'argent soit mis dans cette société qu'il l'a dirigée. Ça ne s'est pas fait. Non, monsieur le président, ils entrecoupent mon intervention. Monsieur le Président, ne vous embêtez pas, vous avez la majorité votant pour ce projet, pour l'avenir de ce pays. Merci. Le groupe UPLD, Monsieur Vito Mamatua, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Notre débat est très intéressant cet après-midi. Je ne sais pas ce que nos collègues ont mangé à midi, mais... Monsieur le Président, donc j'ai bien entendu l'intervention de l'intervenant du groupe Tahoeira et bien j'ai bien l'impression qu'il soutient ce projet. Merci, monsieur le député. Vous soutenez ce projet que nous mettons en place, mais vous demandez des précisions supplémentaires sur celui-ci au gouvernement. Merci. Il semble que l'ouverture, la porte de l'intelligence commence à s'ouvrir.
Le deuxième point sur lequel je voulais venir, eh bien, concerne ce que nous a dit l'ancien président, M. Tang Son. Donc, il nous disait que nous ouvrions une porte aux Chinois pour qu'ils viennent s'installer définitivement en Polynésie. Donc, nous ouvrons effectivement cette porte, mais le problème, c'est que nous n'avons pas la clé de cette porte. Donc, il accepte que cette ouverture soit faite, mais il n'accepte pas que nous en soyons maîtres. Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait continuer à dire. Mais je souhaite véritablement remercier notre député qui nous soutient dans ce projet, car ils savent, comme je l'ai dit ce matin, qu'il n'y a pas d'autre choix à faire pour le bien de notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Merci, Monsieur le Président. J'ai donné quelques réponses ce matin, mais les mêmes questions semblent revenir, notamment au travers des questions posées par Monsieur Tang Son. Vous semblez comprendre que ce que je vous ai lu ce matin était rédigé par une seule personne. Je vous le dis, non, ça a été rédigé par la banque qui soutient cette société. C'est ce que je vous ai lu ce matin. Donc, la banque qui suit ses investisseurs viendra apporter donc les fonds dont nous parlions tantôt. Ce que j'ai entendu également, mais ce qui me dérange un peu, c'est qu'à chaque fois qu'Armel pose des questions, par la suite elle s'en va et elle n'est pas là pour écouter la réponse. Donc je vais lui répondre en français. Oser dire ici qu'un contrat d'exclusivité de la commercialisation, c'est aussi l'exclusivité de la fixation du prix producteur. J'ai jamais vu ça, moi. La distribution, la vente, c'est pas la production. Et à Trahourou, professeur, j'aimerais connaître la situation de ces élèves. Non, mais franchement, je crois qu'il y a une confusion incroyable. On confie nos produits pour la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, une confusion dans l'esprit. Elle vient de nous déclarer ici que tout président du conseil d'administration d'une société, ça vaut rien. Qu'un pouvoir. Vous vous rendez compte le nombre de sociétés qu'il y a dans ce pays? Qui nomme le président? L'Assemblée générale. Qui nomme le directeur? L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, composée de quoi? 4 représentants du pays, 3 en face. Et le directeur général, ensuite, désigne le directeur financier. C'est une désignation. Mais le directeur général est bien sous la coupe du conseil d'administration, notamment de son président. Voilà, je ne comprends plus, au code des sociétés. C'est ça la réalité. Si le directeur général n'en fait qu'en sa tête, mais hop. C'est ça les instances. Franchement, quand je l'ai écouté, je me suis dit, peut-être qu'on allait lui proposer le poste de président. Je crois qu'elle n'a toujours pas compris à quoi ça sert comme fonction. Non, je crois qu'il y a des situations très claires. Ou alors, on va lui acheter le code des sociétés. Comment ça s'organise? Les distinctions de pouvoir, c'est clairement établi. C'est une société de droit polynésien. Donc c'est notre code qui va s'appliquer. Donc nous avons pris nos précautions en la matière. À croire, l'Assemblée générale, le conseil d'administration, détient le véritable pouvoir. Et c'est la règle, à 51%. Voilà, sur les interrogations, ensuite je laisserai mon collègue Maurice Foster pour la partie technique. Je rappelle encore, on me pose encore la question, quels sont les investissements? Le président a lu ce matin les installations. Vous savez que les discussions continuent, savoir les sites, dans quelle mesure. Mais effectivement, on a identifié
Et qu'on ne vienne pas nous faire croire ici qu'ils vont venir sans financement. C'est nous qui apportons nos biens en utilisation, en droit d'exploitation. Ce n'est pas un dessaisissement. Eux, ils vont apporter ce qu'il faut pour monter matériellement la structure et le projet. C'est ça la réalité. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a peur d'y aller, on ne veut pas y aller. Il faut bien s'ouvrir. Mais aux conditions bien établies, surtout qu'on ait une maîtrise de ce qu'on met en place. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais apporter comme précision. Mais je rassure Monsieur Tongson, le document ce matin, il s'agit bien de la banque d'investissement. Peut-être que vous lisez mieux le chinois que moi. Moi, je vais traduire le document. Hein. Je ne peux pas dire plus. Merci. Monsieur le ministre Temori Foster, est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les représentants du pays, bonjour à tous. Depuis ce matin, nous étudions ces deux rapports et on constate que bien, les deux rapports sont finalement liés concernant la création de cette société de production aquacole ici en Polynésie. Vous pouvez poser des questions et c'est tout à fait légitime, mais vos critiques, elles, ne sont pas du tout légitimes. J'aimerais seulement vous dire que nous savons également réfléchir, nous savons étudier les choses. Et notre volonté n'est bien sûr pas de plonger notre pays dans un gouffre. Aussi, mais j'ai l'impression, en vous regardant, que vous êtes fâché depuis ce matin. Ah bon, ben je vais continuer à faire l'imbécile alors. Parce que j'aimerais également dire que, eh bien, à propos de l'Ifremer, là, je me rappelle qu'à une certaine époque, eh bien, vous aviez parlé de supprimer cette entité, l'Ifremer. Eh bien, pourquoi aujourd'hui vous nous proposez de faire entrer l'Ifremer dans cette société alors que vous-même, à l'époque, vouliez supprimer l'Ifremer? Non, mais enfin, monsieur, quand vous parlez, moi, je vous écoute. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de m'écouter quand je parle. C'était vous qui, à l'époque, vouliez supprimer l'Ifremer et aujourd'hui, vous voulez qu'il prenne part à la société. C'est la première chose que j'avais à dire. La deuxième, c'est que, eh bien, cette volonté qui est la vôtre d'intégrer l'Ifremer à cette société, eh bien, ça signifie que, finalement, cette société française a toute confiance en ce projet que nous mettons en place. Donc, je ne comprends pas tout à fait. Aussi, ne vous compliquez pas la vie, votez pour ce projet. Donc, vous nous soumettez cet amendement, mais la question que nous posons actuellement, c'est est-ce que l'Ifremer accepterait d'intégrer cette société? Est-ce que vous leur avez demandé leur avis?
Non. Mais ne répondez pas à Vito, répondez-moi. C'est moi qui vous pose des questions, là. Merci, merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le président, je n'ai pas fini, mais il y a encore beaucoup de précisions qu'on pourrait apporter sur ce projet. Merci. Donc, nous passons à la lecture de l'article premier. Madame Terorotane, vous avez la parole. Article premier. La société d'économie mixte, dénommée Société de financement du développement de la Polynésie française, est autorisée à participer à hauteur de 2% au capital social de la SAS Aquacole, dénommée Te Nui Chinmin Ocean Farm. Merci. Donc, un amendement a été déposé. C'est l'amendement numéro 1. Il a été déposé par... c'est en tout cas ce qui nous est dit dans l'entête de l'amendement. Ça a été déposé par M. Temeharo Fritsch et Alpha, mais c'est signé par M. Temeharo, M. Fritsch et M. Buissou. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, mais je demande à M. Thierry Alpha de nous faire lecture de cet amendement. M. Jean-Christophe Buissou, vous avez la parole. On appelle ça chercher l'intrus, et ça doit être moi l'intrus. Donc je vais lire ça. L'article 1er de la manière suivante. Au lieu de... Article 1er, la société d'économie mixte, dénommée Société de financement du développement de la Polynésie française, SOFIDEP, est autorisée à participer à hauteur de 2% au capital social de la SAS Aquacole, dénommée Te Nui Chinmin Ocean Farm, lire, article 1er, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, est autorisé à participer à hauteur de 2% au capital social de la SAS Aquacole dénommée Te Nui Chinmin Ocean Farm. Merci sur la recevabilité. Donc, exposé sommaire. Il est proposé de substituer l'IFREMER à la SOFIDEP, qui doit rester un organisme de soutien au développement des PME en Polynésie française. L'IFREMER, de par son expertise en matière de développement aquacole et de par sa renommée internationale, paraît un meilleur partenaire pour accompagner la réalisation du projet. Je rajouterai, bien sûr, qu'il s'agit ici d'une proposition. Rien ne nous empêche de faire éventuellement un sous-amendement si vous estimez que l'IFREMER n'est pas l'institut qui sied à cette participation. On a eu l'occasion, pendant la commission des finances, de soumettre l'idée d'une participation du port autonome de Papeete, n'est-ce pas, du port autonome de Papeete, pour que nous continuions à avoir le contrôle sur le capital de la société à mettre en place. Et l'IFREMER est un organisme d'État, c'est vrai, mais en même temps, on sait votre proximité avec l'État aujourd'hui, avec le gouvernement central, et il serait assez facile pour vous d'inciter l'IFREMER à participer. Si toutefois cela semblait être une difficulté pour vous, rien ne nous empêche que ce soit un établissement public local, par exemple le port autonome, qui a des compétences en matière d'infrastructures maritimes, quais, n'est-ce pas, Remblai, etc. Merci. Monsieur Robert Tonceau, vous avez demandé la parole. Oui, mais 15 minutes après, j'ai des parties pour prendre la parole pour calmer un peu les esprits au moment où ça a monté un petit peu en puissance. Et c'était un peu les vœux de mon collègue de Papeete, Myron, et c'est dans cet esprit que je voulais prendre la parole. Mais 15 minutes après, ben, ça s'est déjà calmé. Merci.
Vous savez, Robert, c'était une petite querelle qui opposait les groupes et non pas les personnes, et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas donné la parole. Merci. Vous avez la parole. Sur ce dossier, Président, il est 15h10 et on est au deuxième dossier, en sachant que les deux dossiers concernent le même sujet. Le sujet, il n'est pas très compliqué. L'essentiel de s'entendre. Le premier dossier qui a été voté, je rappelle, et je donne mon point de vue, il n'y a pas lieu de dénaturer l'origine donc de Sofidep, je rappelle, qui est un instrument pour aider les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, au moment où l'emploi est très rare, on a tendance, nous tous, gouvernement, quel que soit le gouvernement, à faciliter la création d'entreprises, des toutes petites et les moyens, parce qu'on n'a pas la capacité de développer des grosses entreprises. On a besoin de soutenir les individus, aussi petits qu'ils soient, à créer eux-mêmes leurs entreprises, puisqu'on a du mal à trouver du boulot. Voilà l'instrument auquel on devrait donner davantage de poids, et on veut modifier. Hein? Donc, il n'est pas possible de soutenir ce dossier. Maintenant, les 2%, je crois, on est tous d'accord, on a tellement chinoisé ce dossier, en plus c'est un Chinois qui le dit. On est tous d'accord pour soutenir ce projet. Ça a été dit 36 fois, mais on souhaite un peu plus de transparence. Ça a été demandé 48 fois. Et on n'a pas eu de réponse. Et on ne s'entend tout simplement pas sur les 2%. Combien même nous voulons que ce projet puisse avoir lieu. Donc, mettons-nous d'accord, trouvons une solution par rapport aux propositions qui ont été faites. Ce n'est pas pour faire plaisir à tel ou tel groupe, c'est pour que ce projet avance. On n'est pas d'accord pour la Sofidep. Il y a une proposition pour une nouvelle entité. On n'est pas d'accord. Il y a également, je viens d'entendre le port autonome et à la Commission. Moi-même, j'ai défendu, pourquoi pas le port autonome à la Commission des finances. Si on se met d'accord pour trouver l'équivalent de la Sofidep pour ces 2%, on ne demande que 2%, avec la même idée maîtresse, le contrôle à 51% du pays. Mettons-nous d'accord, allons-y ensemble, tous ensemble, trouvons un équivalent de la Sofidep. Oti, le dossier, il est réglé. C'était ce que je souhaite dire. Merci. Madame Lana Tetuanui. Maruru Perektini. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Cet après-midi. Donc, je ne suis pas tout à fait en phase avec Robert concernant le fait que plus nous avançons dans la journée, plus les esprits vont se calmer. Car j'ai l'impression que cette séance que nous tenons aujourd'hui, ça, c'est devenu une séance politique où chacun tire le drapeau à lui. Les îles sous le vent connaissent actuellement une dépression. Et je m'inquiète pour ma population des îles sous le vent. Et je viens à l'Assemblée et j'entends tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, je m'adresse à la majorité. Vous avez la majorité. Donc, prenez vos responsabilités et votez pour ce que vous avez envie de voter. Mais je suis inquiet quant à ce que nous avons toujours dit. Ne bradons pas notre société, notre pays. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, je vous le dis à vous, membres de la majorité, assumez vos responsabilités. Vous voulez faire ce que vous voulez faire, faites-le. Mais prenez quand même en considération ce que nous avons à dire. Donc,
Je vais revenir sur ce que nous a dit le maire de Taïarapu. Si, au travers de ce projet, eh bien, sa population de Vairao eh bien, trouve des avantages, eh bien, tant mieux pour lui. Mais je vous le dis, concernant les populations des îles Soulevent, pas à un seul moment, nous n'avons été consultés sur les modalités de mise en place de cette société. J'aimerais dire encore au Tavana de Taïarapu Est, eh bien, il dit qu'il se penche sur l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, ils ont du nickel, nous n'avons rien. Sur toutes les sociétés qui produisent du nickel actuellement, est-ce qu'il peut me citer une seule société qui est dirigée par un Kanak? Non, ce sont des étrangers. En Nouvelle-Calédonie, les Kanaks sont en bord de route. Ils boivent, ils n'ont pas de travail. Et c'est ce que j'ai pu voir quand je me suis déplacé là-bas. Et c'est l'inquiétude que j'ai pour nos Polynésiens ici en Polynésie. Non, Monsieur le Président, c'est à force d'avoir entendu tout ce qui a été dit depuis ce matin, je pose la question aujourd'hui. Eh bien, quel avantage pourrons-nous tirer de ce projet? Si la population des Tuamotu peut gagner en avantage, eh bien, tant mieux. Mais qu'en est-il des autres îles? Allez, dites-moi quels avantages tireront les autres îles de ce projet. Merci. Nous en sommes rendus à l'amendement. Donc, est-ce que l'avis de l'IFREMER a été demandé quant au dépôt de cet amendement? Non. Monsieur Fritz, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vais vous répondre clairement. Donc, l'avis de l'IFREMER n'a pas été demandé. Cependant, eh bien, nous pensions demander d'abord l'avis de l'Assemblée sur la possibilité d'intégrer cette société, l'IFREMER, à cette société chinoise. L'IFREMER pourrait être un observateur qui pourrait venir en aide au pays dans la mise en place de ce projet. Vous savez très bien que, concernant cette société, cette multinationale, ça peut être inquiétant si, nous ne demandons pas l'avis d'experts des sociétés internationales. Donc, nous proposons que, la société qui prendrait part à cette société, cette multinationale, soit dans le secteur de la recherche, des infrastructures portuaires et bien plus encore. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'intégrer le port autonome à cette société. Mais notre principale inquiétude vient de ce que vous avez dit tout au départ. Car vous savez très bien que j'ai de nombreux amis dans la majorité. Mais ce que vous nous avez dit au début, quant à notre éventuel soutien à ce projet, oui, nous aurions soutenu ce projet si, le projet que nous voulions mettre en place à l'époque, nous le soutenions, à condition d'avoir mis la société TNR à l'intérieur. Et maintenant, vous faites appel à la Sofidem. Je ne sais pas quelle est cette société et quel sera son rôle au sein de cette multinationale. Aussi, Monsieur le Président, si vous votez pour cet amendement, nous voterons pour la délibération tout entière. Est-ce que vous nous comprenez? Merci. Merci. Monsieur Hirote Farere, vous avez la parole. Et après, je donnerai la parole à Vito. C'est assez
rigolo. La question qu'il convient de se poser, Monsieur le Président, eh bien, c'est est-ce que l'avis de l'IFREMER a été demandé ? Et il nous a été répondu que non. Est-ce que l'avis du président de l'IFREMER a été demandé ? Non plus. Est-ce que l'avis du conseil d'administration a été demandé ? Non plus. Est-ce que l'avis des membres du conseil d'administration a été demandé ? Non plus. Est-ce que l'avis de l'État a été demandé ? Non plus. C'est un coup de Borlo, j'en suis persuadé. C'est ma réponse à leur question. Maintenant, j'aimerais répondre à notre collègue Lana. Il n'aime pas trop quand je dis que Lana est une collègue, une sœur pour moi. Donc, je sais que les élections approchent et j'espère que nous serons encore majoritaires ici, mais je vous le dis, nous ne bradons pas notre pays. Nous faisons appel à nos frères du continent asiatique, car finalement, nous venons, nous aussi, d'Asie du Sud-Est. Donc, pourquoi est-ce que nous allons en opposition avec le peuple chinois qui pourtant sont quelque part nos ancêtres? Nous venons du continent asiatique. Tous les peuples du Pacifique et ceux d'après les analyses ADN qui ont été effectuées sont originaires de l'Asie Pacifique. Monsieur le Président, l'année dernière, au mois de juillet, le président de la Polynésie avait invité l'ensemble des élus de la Polynésie à participer au club de Madrid. Vous et moi y étions présents et nous savons bien que les membres de l'opposition n'étaient pas venus parce que ça n'entrait pas dans leur idéologie politique. Donc, lors des débats qui s'y sont tenus, qu'est-ce qui en est ressorti? C'est qu'il ne fallait plus avoir peur, mais qu'il fallait chercher les solutions pour mettre en place nos propres projets, éventuellement en partenariat avec les puissances qui nous entourent, car la survie de la planète se trouve ici, dans le Pacifique. Il ne s'agit pas de brader notre pays, mais de mettre en place un projet viable. Les Kanaks ont fait de même, les Maoris également, et ils y sont arrivés. En 1998, ils l'ont fait et ils ont réussi. De notre côté, à Huahine, donc moi, Annick et bien d'autres, nous avons rencontré ces investisseurs. Il y a eu des discussions et il y en aura encore, mais la question que nous avions concernant ce projet, c'est qu'est-ce que Huahine pourrait faire pour Huahine dans le cadre de ce projet? Et il en est de même pour Fakarava, pour Ho et pour toutes les îles. Il faut y réfléchir, mais il faut d'abord mettre en place cette convention. Donc, ma dernière intervention, concernant les Kanaks qui ont réussi dans les affaires, il y a mon ami. C'est un Kanak, Loulou Guetra. Mais la seule différence, c'est que, en Nouvelle-Calédonie, ils ne font pas d'amalgame entre ce que le pays a gagné, ce que eux, ils ont attiré des projets mis en place. Merci. Merci. Vito, dernière intervention avant que nous passions au vote.
Marouro Pretini. Merci, Monsieur le Président. Concernant cet amendement, Monsieur le Président, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ça. Car depuis que nous avons commencé à étudier bien ce dossier, eh bien, c'est clair que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de négocier pour obtenir bien, 51% des parts. Et ce qui nous est proposé là, eh bien, ça nous enlèverait une partie du capital. Et donc, au travers de ce que nous vous proposons là, eh bien, nous affirmons à la population que cette société restera la sienne et qu'elle y sera majoritaire. Donc, nous avons entendu que nous ne devons pas prêter oreille au sang métallique de l'argent. Donc, à écouter l'opposition, on a l'impression que eh bien, le gouvernement en place ne fait rien, c'est l'inertie. Et quand on commence à mettre en place des projets, eh bien, ils nous tombent dessus. Et il suffit de regarder l'amendement qu'ils nous ont déposé. Dans l'entête, les noms qui sont affichés sont différents que ceux qui se trouvent à la signature. Mais je vous le dis, le gouvernement Temaru ne commettra aucune erreur quant à la gestion des fonds publics. On nous a parlé de cette société Avaya. Et c'est vrai que je suis à l'origine de cette société, de cette SAS, mais ça n'a pas été créé bêtement. Car quand nous sommes arrivés au règne du pays, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'énormes difficultés au niveau de Tahiti Nui Rava'ai. Des bateaux avaient été confiés à des capitaines qui étaient incapables de gérer ces bateaux. Et 80% des personnes qui avaient eh bien, souscrit pour un bateau chez TNR ont rendu le bateau pour lequel ils s'étaient engagés. Paris nous avait donc signalé que si nous n'utilisions pas les bateaux dans les 6 mois qui suivaient, eh bien, ils seraient dans l'obligation de récupérer les fonds qu'ils avaient mis à disposition pour financer ces bateaux. Et c'est la raison pour laquelle j'avais mis en place cette société pour qu'elle gère l'utilisation de ces bateaux. Donc nous sommes encore dans une situation où les choses ne sont pas dites clairement. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle le ministre n'a pas choisi de retenir cette société pour le projet dont nous parlons ici. J'aimerais revenir sur ce que nous a dit notre collègue. Si nous avions commencé à discuter de ce projet comme nous le faisons actuellement, eh bien, on aurait pu avancer, mais non. Depuis que nous avons commencé à discuter de ça, eh bien, nous sommes en éternelle opposition. À mon avis, si nous avions attendu, eh bien, nous serions dans la mouise. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je reviens sur cet amendement, sur cette demande concernant le remplacement de la SOFIDEP par l'IFREMER. Donc, vous n'avez aucune compétence pour imposer cette modification.
à moins que vous ne soyez propriétaire de l'Ifremer. Mais tout ce que je sais, pour ma part, c'est que le pays a les compétences concernant la Sofidep. Concernant l'Ifremer, nous n'avons pas les compétences. Donc il vous a été demandé, est-ce que vous aviez demandé l'avis de l'Ifremer et vous nous avez répondu non. Mais ce que j'ai retenu, c'est que les dépositaires de cet amendement ont demandé qu'un sous-amendement soit déposé pour proposer qu'une autre société prenne part à la société chinoise, Aquacol. Nous avons les compétences dans la Sofidep et c'est tout ce que nous devons retenir. Si, donc, nous passons au vote sur l'amendement qui a été déposé par nos collègues, qui est pour 14 voix pour, ceux qui sont contre, 31 voix contre, ceux qui s'abstiennent, 10 abstentions. Donc, cet amendement est rejeté. Nous revenons sur l'article premier. Y a-t-il des observations à formuler ? La possibilité que l'on a de faire une explication de vote, puisque depuis ce matin, j'essaye de pouvoir m'exprimer sur ce projet, ayant moi-même été interpellé par le président du gouvernement. Donc, je me désole de devoir utiliser le temps d'explication de vote pour m'exprimer et très rapidement. Je veux dire qu'effectivement, j'ai participé à la commission qu'il y a eu avec les Chinois, que c'était très impressionnant de voir ces messieurs s'énerver devant la représentation polynésienne, parler avec beaucoup de nerfs, ça se ressentait, se lever, être impatient. Et vraiment, les questions que j'ai pu poser ce jour-là sont restées sans réponse. Jusqu'à maintenant. Elles sont toutes simples. Quelles sont les garanties que nous donne ce monsieur sur la fiabilité de ses projets ? Et ensuite, les garanties sur la durabilité de ce projet ? Pas de réponse. Monsieur le Président, ce qui est sûr, c'est que nos craintes, elles sont fondées. Vous savez, en l'an 2000, lorsque la Chine a décidé de construire son barrage des Trois Gorges, ils ont déplacé 1 400 000 personnes. La plupart d'entre eux se plaignent aujourd'hui d'être relogés dans des conditions déplorables en Chine. En Afrique, la Chine est partie s'installer, utiliser les ressources, les matières premières chinoises, africaines, pour la Chine à travers des joint ventures. Parce que la joint venture, il ne faut pas remercier qui que ce soit de décider des parts. Une joint venture, c'est toujours 51% qui reviennent à l'État où ça s'installe. C'est comme ça. Qu'on ne fait pas exception à la règle. Comment ça se passe aujourd'hui en Afrique ? Mal, très mal. Voilà pourquoi on a des craintes. Parce que nous n'avons pas de garantie sur comment ça va se passer chez nous, de leur part, de la part de ces gens-là. Nous, nous sommes factuels, Monsieur le Président. Dans une société, c'est vrai qu'il y a des présidents de conseils d'administration, mais c'est surtout vrai qu'il y a des directeurs généraux et des directeurs financiers. Et c'est eux qui pilotent au quotidien les entreprises, pas les PCA. Donc ce sont les Chinois qui piloteront ces sociétés en Polynésie. Comment ? On ne sait pas. Et en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie. C'est que des néo-calédoniens qui pilotent l'ensemble. Tiens, ce sont même des sociétés néo-calédoniennes qui valorisent la matière première néo-calédonienne. Finalement, Monsieur le Président, on a le sentiment que tout ça, tout ce qu'on a pu entendre ce matin-là, les Taurapro entre le Tahoeira et l'UPLD, qui passent par-dessus nos têtes, mais où est la vision ? Où est la stratégie ? Où est le plan ? Tout en haut ? Ben, monsieur Pierre Frébault, merci de nous dire qu'il n'y a pas de plan. Il était temps.
Et c'est peut-être pour ça qu'on a tous ces débats qui ne servent pas à grand-chose. Parce que s'il y a eu vraiment des discussions de plans de développement économique et social, il y en a peut-être eu un aussi sur les ressources maritimes, à quoi colle quelque chose, quelque part. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des documents en chinois, et on nous les a juste montrés. Ça ne peut pas être en français? Tiens, ça ne peut pas être en thaïsien? Merci. Concernant ce Chinois qui bien s'est levé lors de l'exposé de ce projet, eh bien, à ce que je sais, quand les Chinois se lèvent, eh bien, c'est pour respecter leur auditoire. Nous passons au vote sur le premier article. Ceux qui sont pour, 31 voix pour. Ceux qui sont contre, 23 voix contre. Vous vous abstenez? 14 abstentions? 13 abstentions. Le Tahoeira s'abstient. 13 abstentions. Dix voix contre. Totato Aïa s'oppose. Merci. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, monsieur Jean-Christophe Bouissou. Je souhaitais intervenir avant le vote, mais ce n'est pas grave. On a maintenant l'habitude de faire voter rapidement, sans même pouvoir intervenir. Il faudra redresser ça en temps utile, vers le mois d'avril-mai, disons mai. On reviendra sur un mode de fonctionnement normal dans notre assemblée, où on laissera la parole aux uns et aux autres, et non pas comme ce qu'on en a pu voir jusqu'à présent. On n'a même pas le temps d'intervenir avant le vote d'un article. Je voulais vous dire, on fait une entorse sur le fonctionnement de nos sociétés d'économie mixte. Jamais on aurait dû présenter ce dossier de participation de la SOFIDEP ici à l'Assemblée. La preuve en est, toutes les décisions de participation au capital de sociétés de la SOFIDEP n'ont jamais fait l'objet d'une transmission et d'une décision de notre Assemblée. C'est la première fois. Pour quelle raison? Parce qu'on estime aujourd'hui qu'il revient à l'Assemblée de décider, y compris sur les participations que doivent faire les conseils d'administration et les assemblées générales au sein de sociétés tierces. Alors on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi? Simplement pour introduire un dossier que vous estimez être un dossier politique, pour pousser l'opposition à voter contre un projet introduit par des Chinois, peut-être avec le soutien du gouvernement de Pékin. Mais voyez, vous ne rendez pas service finalement à ces investisseurs, parce qu'en réalité, en ce qui nous concerne, nous sommes d'accord sur que ces investissements puissent se faire, mais pas dans n'importe quelles conditions. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est que ce faisant aujourd'hui, puisque vous rendez obligatoire tous les investissements des sociétés d'économie mixte en termes de participation dans les capitaux d'entreprises, vous rendez obligatoire pour toutes les sociétés que nous avons, ATN, etc., 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 etc. Deuxième chose, y compris la Socredo. Deuxième chose, vous mettez en péril toutes les décisions qui ont été prises auparavant. Oui. N'importe quelle personne aujourd'hui peut traîner devant le tribunal du commerce les prises de participation qui ont été effectuées au sein de ces sociétés.
Le ministre des Finances nous a transmis un catalogue des participations qui ont été effectuées par la Sofidep récemment. Bah écoutez, si ce catalogue tombe entre les mains de n'importe quelle personne à l'extérieur, puisque c'est de l'argent public dont il s'agit, et si on estime qu'il y avait une obligation de passer par l'Assemblée, alors à ce moment-là, l'ensemble de ces investissements tomberait. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Non? Vous n'étiez pas conscient de cela? Vous venez aujourd'hui de créer un précédent. N'importe qui, sur toutes les décisions qui ont été prises la semaine dernière, il y a un mois, il y a trois mois, serait en droit de pouvoir saisir le tribunal pour faire casser les décisions qui ont été prises. Tout ça, pourquoi? Pour nous obliger à nous positionner sur des investissements chinois et pour dire simplement, regardez, cette opposition qui ne suit pas, qui ne veut pas des investissements qui viennent de Chine. Vous voyez, mon sentiment, moi, c'est que vous faites un faux procès. C'est pas l'opposition que vous devriez vous en prendre, c'est simplement à vos propres turpitudes et de faire en sorte qu'aujourd'hui, vous venez de créer effectivement un précédent. Merci. Concernant le 5 mai, eh bien, attendez, on verra bien qui va gagner. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien, monsieur le président. J'aurais tendance à, en résumé, répondre, ça, c'était avant. Les obligations d'intervention des SEM sont clairement établies en droit. Clairement établies. Il y a une pub qui passe à la télé, à chaque fois, j'ai dit ça, c'était avant. Aujourd'hui, on se conforme strictement au droit lorsqu'il s'agit d'une SEM. On ne peut pas nous reprocher de respecter la légalité que vous avez décidée. C'est ça. Parce que sinon, on va se retrouver en face. Merci. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote adopté sur l'ensemble de la délibération. Même vote, la délibération est adoptée. Nous passons au rapport numéro... Merci. Rapport numéro 11-2013, Monsieur Fernand Omataro, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, membres du gouvernement. Par lettre numéro 484 PR du 21 janvier 2013, le président de la Polynésie française a transmis, aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification des règles de rémunération durant la période de stage des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitalières publiques de la Direction de la Santé. Les délibérations numéro 96-136 APF du 21 novembre 1996 modifiées et 97-198 APF du 24 octobre 1997 modifiées fixent les statuts particuliers des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitalières publiques de la Direction de la Santé. La carrière des praticiens hospitaliers s'effectue au sein d'un seul grade comportant 13 échelons. Les durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons ainsi que les indices de référence sont fixés ainsi qu'il suit. Donc vous avez un tableau dans lequel il y a la colonne des échelons qui vont du premier échelon au treizième échelon. Ensuite, la durée minimale et la durée maximale. Alors, du premier au troisième échelon, la durée minimale dans chaque échelon est de 1 an. Pour passer au quatrième échelon, la durée minimale est de 1 an et demi et maximale de 2 ans.
du 5e échelon et 6e échelon, 2 ans minimum et 2 ans et demi maximum. 7e, 8e, 9e et 10e échelon, 2 ans et demi minimum, 3 ans maximum. Et du 11e et 12e échelon, 2 ans minimum, 3 ans maximum. Alors les indices, premier échelon 640, deuxième échelon 665, troisième échelon 691, quatrième échelon 704, cinquième échelon 739, sixième échelon 783, septième échelon 829, huitième échelon 862, neuvième échelon 896, dixième échelon 940, onzième échelon 987, douzième échelon 1036 et treizième échelon 1077. Par délibération numéro 2011-58 APF du 13 septembre 2011, l'Assemblée de la Polynésie française a supprimé la condition de passage qui prévalait entre le 10e et le 11e échelon, ce passage s'effectuant dans l'ordre de l'ancienneté acquise par les praticiens aux échelons précédents, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à 2 ans et demi. Cette disposition posait potentiellement problème au moment du recrutement de praticiens hospitaliers en qualité d'agents non titulaires, dont la rémunération était automatiquement plafonnée au maximum par référence au 10e échelon, même lorsque ces agents pouvaient se prévaloir d'une reprise d'ancienneté qui aurait pu leur permettre de percevoir une rémunération par référence à un échelon supérieur. Le présent projet de délibération s'inscrit dans la même logique posée par la délibération du 13 septembre 2011 précité. À l'instar des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique territoriale, les praticiens hospitaliers doivent suivre un stage d'une durée de 12 mois avant leur titularisation. Durant cette période, ils bénéficient d'une reprise de leur ancienneté pour le calcul de leur rémunération, sans toutefois que celle-ci puisse excéder l'indice afférent au 10e échelon. Ce plafonnement a pour conséquence de diminuer la rémunération des fonctionnaires stagiaires qui pourraient se prévaloir de plusieurs années de services antérieurs. Il est proposé dès lors de mettre fin à cette incohérence et de supprimer les dispositions qui prévoient cette limitation de la reprise d'ancienneté des praticiens hospitaliers durant leur période de stage. Dans sa séance du 18 décembre 2012, le Conseil supérieur de la fonction publique a rendu un avis favorable aux modifications proposées. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique, d'adopter. Merci. La conférence des présidents a prévu 50 minutes de discussion avec 10 minutes de temps de parole par groupe. Donc, pour l'intervenant du groupe Totatoaïa, Madame Daphné Chavez. L'emploi public doit faire face aux profondes mutations de notre société dans tous les domaines qui relèvent de leurs responsabilités. La place de l'économie, le rapport aux institutions et donc aux politiques, les transformations sociales qui transcendent les générations. Les attentes des Polynésiens, les bouleversements sont nombreux et rapides. La santé, à l'évidence, n'échappe pas à cette règle. Je pense en particulier aux conséquences des évolutions épidémiologiques ou études des facteurs influents sur la santé et les maladies de population, au développement des addictions et au poids croissant des maladies chroniques, à commencer par le diabète, les maladies neurodégénératives, le cancer ou les maladies cardiovasculaires, qui nous obligent à réorganiser en profondeur l'action de notre système de soins, dont le CHPF. PFL épine dorsale. Je pense également, et c'est en partie lié, au vieillissement des patients et à leur volonté d'être pris en charge à domicile. Je pense enfin aux attentes nouvelles qu'expriment les Polynésiens à l'égard de la santé, besoin de protection, de transparence, de qualité. Notre système de santé publique est au cœur de notre pacte social aujourd'hui fragilisé. Face à ces mutations, deux attitudes sont possibles. La première, c'est le renoncement. Renoncer parce que c'est plus facile au regard des contraintes économiques et budgétaires qui pèsent sur nous. Renoncer parce que le poids de la responsabilité est tel qu'il écrase toute volonté.
renoncer et finalement se soumettre peut être de bon gré à l'idée que la santé est un marché comme un autre. Renoncer et donc assister finalement en spectateur au démantèlement annoncé de notre service public de santé. Vous l'aurez compris, ce n'est pas mon état d'esprit. La seconde attitude, elle part d'une conviction, d'une certitude, celle que le CHPF a un avenir parce qu'il est le socle de notre système de santé. J'ai confiance en l'avenir de notre pays, cet avenir nouveau, et que la santé soit considérée non pas comme un fardeau, mais comme un facteur de progrès, d'innovation et de croissance. Nous avons tous ensemble une immense responsabilité de ce texte, va dans ce sens. En les défendant, c'est donner les moyens d'affronter l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la représentante. Je demande à l'intervenant du groupe Temanaut Momotu, Madame Eleanor Parker, vous avez la parole. Alors, parce que je ne suis pas spécialiste, alors ce projet me laisse perplexe dans la mesure où il semblerait que dans la filière administrative de notre fonction publique territoriale, on ne prend pas en compte les années de service antérieures. Alors, l'agent stagiaire commence au premier échelon du premier degré. Est-ce bien cela? Si oui, qu'est-ce qui justifie cette dérogation pour les praticiens hospitaliers? Est-ce vraiment le bon signal à donner au moment où l'on demande aux autres agents d'accepter un gel de leur indice? Est-ce un risque potentiel ou il concerne des situations identifiées? Et enfin, quel serait l'impact financier d'une telle mesure? Désolée pour ces questions, mais il me semble que nos auditeurs ont, tout comme moi, besoin de précisions. Je vous remercie. Voilà. Merci. Intervenant du groupe Tahouer Ahouil Atira, Madame Emalgan. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. En septembre 2011, notre Assemblée avait modifié les modalités d'avancement des praticiens hospitaliers de la fonction publique. Vous aviez, Monsieur le Ministre, souligné le besoin pour le pays de faciliter le recrutement des praticiens hospitaliers en CDD. Je parle de la mesure de septembre 2011. Ainsi, la rémunération de ces professionnels n'est plus aujourd'hui plafonné au 10e échelon de la grade, puisqu'ils bénéficient de la reprise de leurs anciennetés pour accéder à l'échelon supérieur dès leur recrutement. Alors, justement, ma première interrogation concerne le résultat de cette décision qui a été prise par notre Assemblée en 2011. Alors, nous souhaitons savoir si l'objectif recherché est atteint en 2011. C'est-à-dire, est-ce que ça a véritablement facilité le recrutement des médecins, des praticiens hospitaliers en CDD? Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, avec le concours de Monsieur le Ministre de la Santé, nous dire combien de médecins ont pu rentrer dans cette mesure, c'est-à-dire être recrutés en CDD? Pouvez-vous aussi nous dire combien exercent au CHPF, ainsi que ceux affectés dans les structures de santé de la direction de la santé? Quel est finalement l'impact financier pour les régimes de la protection sociale généralisée? Parce que nous savons tous que le financement du CHPF est assuré à plus de 70% par la dotation des régimes sociaux aujourd'hui très largement déficitaires. Et ensuite, dites-nous si la mesure de faciliter justement ce recrutement en CDD prise en 2011, si ça a permis d'activer le paiement des salaires de ces médecins recrutés en CDD. Parce qu'on en a quand même entendu parler que le délai pouvait prendre plusieurs mois avant que le salaire soit versé, au point même que beaucoup de médecins ont été découragés. Alors, nous posons toutes ces questions, Monsieur le Ministre,
parce que nous estimons qu'avant de corriger certaines dispositions réglementaires, il est nécessaire d'évaluer la portée des décisions déjà prises. Aujourd'hui, votre gouvernement nous présente un dossier du même acabit. C'est-à-dire vraiment, très succinctement, il n'y a aucune estimation, il n'y a pas de données. Le dossier n'est même pas, il n'y a pas de données chiffrées. On ne sait pas combien de praticiens hospitaliers et stagiaires sont concernés et quel serait le besoin de financement. Donc, bien évidemment, le groupe Tahoué-Rahoui-Ratra est apparenté. Nous sommes favorables au respect des règles pour tous, s'agissant ici du statut particulier des praticiens hospitaliers. Et nous nous interrogeons néanmoins, pourquoi avoir attendu 17 mois plus tard pour vous rendre compte des conséquences des modifications prises en septembre 2011 sur la rémunération des praticiens stagiaires. Merci pour vos réponses et je vous remercie. Alors, Merci. Je demande aux non-inscrits de bien vouloir intervenir. Sur l'aspect humain, ce dossier-là est assez important, vu les critères que nous avons en ce moment sur la santé. Donc je remercie le ministre pour la presqu'île, pour l'hôpital. Ça s'est réglé rapidement. Par contre, moi, par rapport à ce que la représentante du... Je ne sais plus c'est quoi, Polinetia, Totatoaï, enfin, vient de dire, je voulais amener un témoignage important. C'est dommage que le député n'est pas là. Alors, messieurs les élus, savez-vous à l'heure où nous parlons, maintenant, combien de Polynésiens sont hospitalisés à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour la leucémie? 28 Polynésiens. Dont deux seuls patients sur les 28 ont un accompagnateur avec eux. Okay. Vous allez me dire à quoi ça sert. Ce qu'on a parlé ce matin, ce que le président a dit. Tout simplement, en discutant avec le personnel médical de l'hôpital, voici leur réponse. Ce sont les conséquences des essais nucléaires. C'est eux qui le disent. J'ai rencontré des Guadeloupéens, nous avons rencontré des Martiniquais, des Réunionnais. Il n'y a que des Polynésiens qui soient aussi touchés au plus grand nombre. Et je tiens à préciser que trois membres du même famille de Hau, dans la famille Cavera, trois membres sont hospitalisés. Ces malades aujourd'hui, sans accompagnateur, c'est la galère, 30 jours d'interdiction de quitter la chambre. Lorsqu'ils sont en aplasie, impossible d'aller acheter du crédit pour téléphoner à Tahiti. Quand ils ont les moyens, pas de fruits, autre que ce qui est servi à l'hôpital. Coupé de tout, malgré la bonne volonté de certains, infirmiers, infirmières, rien d'autre. Ils sont comme abandonnés à leur maladie, seuls dans leur chambre, avec en plus la souffrance de la maladie. C'est atroce et la souffrance du pays. Nous avons encore en mémoire ce patient d'une trentaine d'années qui nous a demandé une seule chose. Si on pouvait lui expédier dès notre retour à Tahiti une bouteille de mon œil, c'est son message, car ses soins ne sont pas obligatoires par le personnel médical. Alors en récompense, il leur offre cette bouteille de mon œil. Je remercie mes camarades qui m'ont accompagné, parce que nous avons pris l'initiative de leur offrir un ordinateur, un amendement avec une clé USB, pour permettre à ces malades de communiquer par Skype à leur famille. Jusqu'à aujourd'hui, nous payons leurs cotisations. Et nous sommes en train de monter l'association. Il y a une association, Toturu Yana. Notre association, c'est Toturu Yakato. Voilà. Tout ça pour vous dire que la seule façon de faire évoluer toute la vérité sur la reconnaissance par l'État français, les conséquences de toutes ces maladies dues à ce que nous savons, on ne va plus remettre ça sur le tapis. C'est pour ça que je me réjouis aujourd'hui. Pourquoi aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le déclenchage de la base alpha, elle s'est passée où? Le déclenche du CEP, le déclenchement, elle s'est passée dans la rade de Veirao. Des super pétroliers comme il y en a aujourd'hui étaient amarrés. Il y avait deux pétroliers, la Charente et l'Isère. On était gamins, on allait jouer. Aujourd'hui, allez demander de mettre un pétrolier là-bas, c'est la galère.
C'est pour vous dire qu'il y a des conséquences et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui. Ce que le président a annoncé, il y a bien des conséquences. Merci de m'avoir écouté. Maïté Armel, vous avez 6 minutes. Alain, tu peux t'avoir le micro. C'est vrai. Tavana Veirao, tu peux t'avoir le micro. Tavana. Merci. Voilà, donc moi, je suis désolée, je reviens sur des choses assez banales. La proposition qui nous est faite est en fait, selon nous, un point de détail. Un point de détail, mais qui a son utilité, puisqu'il s'agit, pour la période de stage des praticiens hospitaliers, de trouver une cohérence avec des dispositions qui existent et qui permettent, à titre dérogatoire, en fait, la reprise d'ancienneté et d'expérience au moment de la titularisation. Et c'est vrai qu'il manquait un maillon, puisque pendant la période de stage, il revenait à une situation basique, comme s'il n'avait pas cette expérience. Donc, il n'y a pas de difficulté à adopter ce texte. Mais il me semble que le problème est à replacer dans son contexte. Et le contexte, c'est simplement la pénurie de personnel médical que nous avons et qui a conduit, il y a quelques années, à déroger au principe que dans la fonction publique, on démarre au plus bas indice, quelle que soit son expérience privée ou publique. Et donc, en valorisant l'expérience dans la rémunération, on pouvait ainsi espérer rendre plus attractifs les postes de médecins et d'infirmiers. Et donc, derrière tout ça, il y a un problème qui aujourd'hui n'est pas résolu, ou pas complètement en tous les cas, enfin loin même d'être résolu, qui est celui de résorber cette pénurie. Alors, monsieur le ministre en charge de la Santé, je repose une question qui a été évoquée il y a déjà plusieurs mois à plusieurs reprises. Avez-vous aujourd'hui un état à jour, un suivi du nombre de Polynésiens qui, ayant réussi la première année d'études médicales à l'université, sont rentrés en deuxième année? Et les premiers, ça fait une dizaine d'années, puisqu'à l'époque, j'avais fait signer la convention avec Bordeaux. Ils sont donc pas loin d'avoir fini leurs études. Et il y a aussi des kinés, des ergothérapeutes, enfin tous les métiers qui nous manquent. Et il me semble que c'est un outil indispensable pour savoir où on en est. Je rappelle également que ces jeunes bénéficient de bourses majorées jusqu'à 150 000 francs par mois pour les médecins, tant qu'ils ne sont pas en internat, puisque à partir de cette date, ce niveau, ils touchent une rémunération. Donc, pouvez-vous, sans nous mettre les noms, bien entendu, nous donner ou nous dire que vous avez cet outil de suivi, que vous savez dans combien de temps tel ou tel jeune va arriver sur le marché du travail polynésien pour justement préparer leur retour, faire en sorte que les postes vacants le restent jusqu'à ce qu'ils arrivent pour leur donner toutes les chances de s'insérer. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas ce document et ce suivi de 10 années d'efforts qui a été fait. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Là est ma question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention pour le groupe UPLD? Non. Monsieur le ministre Pierre Frébault, non plus. Monsieur Tétaria, vous avez la parole. En effet, cette disposition-là permet de, à nos, du moins les PH, qui sont déjà PH en France, qui viennent travailler ici, qui se voient donc leur ancienneté diminuer pendant leur stage pour être PH ici, alors qu'ils sont déjà PH en France. Ils trouvaient ça totalement normal et c'est pour ça donc qu'on a essayé d'y remédier. Mais en fait, par rapport à la,
parce qu'il y a eu un concours de PH, il y a eu 35 postes au niveau de l'hôpital qui ont été proposés, et ça, en fait, ça touchait que 3 PH. Parce que s'il faut savoir cette histoire d'ancienneté, ça touche donc les médecins qui sont déjà arrivés au niveau de l'assistant de chef de clinique, donc qui ont déjà beaucoup d'ancienneté. Pas les jeunes, puisque les jeunes ayant leur internat de comté, donc arrivent donc au bout d'une vingtaine d'années à être PH, à être assistant chef de clinique, et c'est ceux-là donc qui demandent à ce que leur ancienneté ne soit pas touchée. Alors, au niveau de la... Combien il y a de PH à l'hôpital? De PH titulaires, il y en a une centaine, plus les 35 qui arrivent, donc il ne reste plus que 27 médecins qui sont peut-être PH en France, mais qui attendent d'être titularisés. Donc, ils sont simplement ANT. Ça, c'est en ce qui concerne l'hôpital. En ce qui concerne notre direction de la santé, qui est moins pourvue, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on renforce nos hôpitaux périphériques. On a simplement une trentaine de médecins, dont une quinzaine de PH. Donc, s'il faudrait arriver à terme, c'est que, en plus, que ces PH-là puissent travailler aussi bien à l'hôpital, dans notre grand hôpital, que dans les hôpitaux périphériques, pour pouvoir équilibrer en ce qui concerne l'exercice des spécialités dans nos hôpitaux. C'est vrai que les dérogations pour les médecins, comme il n'y a pas beaucoup de médecins, une des dérogations que le pays a proposées, c'est de nous mener, non pas jusqu'à 65 ans, mais au moins jusqu'à 68 ans, faute de médecins. C'est vrai qu'au dernier, en dernière proposition de titularisation, il y a un poste qui n'a pas été titularisé, c'est-à-dire de médecin chirurgien maxillofacial, parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. Mais au niveau des hôpitaux périphériques, on n'a pas pu trouver de candidats en pédiatrie. Et il nous manque vraiment cruellement de médecins. Concernant maintenant nos étudiants, c'est vrai que nos étudiants, ils sont à peu près maintenant plus de, je crois que c'est 120, d'étudiants qui ont passé leur examen ici et qui sont en France. Alors, j'en connais un qui est revenu, sur le fichier Richaud, il est en cardio. Il y en a une qui a fini, qui a préféré rester en France, elle est anesthésiste et animateur. Et il y a un service chez nous qui suit le dossier, il y a quelqu'un qui est attitré, enfin, qui se proposait dessus tous nos étudiants. C'est vrai qu'on espère qu'on a plus de 100 étudiants qui ont passé le concours, ne serait-ce que la moitié qui revient ici, ce serait une bonne chose pour nous. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Frébeau, vous avez la parole. Vous l'avez bien compris, il s'agissait d'harmoniser les dispositions qui ont été prises sur les ANT, c'est-à-dire les CDD. Là, on est dans la qualité de fonctionnaire stagiaire. À minima, il fallait alignement des choses. Mais ce que vient dire le ministre de la Santé est important sur le nombre d'étudiants dans le cadre des études de médecine. Alors, comment procéder? Vous savez que le recrutement en qualité de fonctionnaire des médecins se fait donc sur titre, c'est-à-dire entretien. À partir de là, effectivement, la grande préoccupation du ministre de la Santé, c'est de prévoir les postes pour ceux qui vont finir leurs études. Il y a une disposition qui nous permet donc de recruter, soit un article 33.2, comme on dit, c'est une période de 3-4 ans, voire rajouter 2 ans, mais toujours en situation temporaire. Parce que si on ouvrait tout de suite les postes à concours, les gens deviendraient titulaires, donc le poste est définitivement pris. Donc on essaye effectivement d'harmoniser tout ça pour prévoir la suite de ceux qui vont revenir. Ce n'est pas des choses aisées. En ce qui concerne la situation, nombre de médecins, le suivi, vous savez que l'hôpital a sa propre structure. Mais, les choses avancent. On a installé un CDE à l'hôpital maintenant. Ah, donc on pourra vérifier de manière plus précise la situation et des dépenses des contrats, notamment les contrats de travail. Jusqu'à présent, ça a beaucoup manqué. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est fait. Alors, c'est la question posée. Comment se fait-il qu'à un moment donné, ils n'étaient pas payés, les gens ne sont pas payés? Lorsqu'on a le contrôle du CDE avec les règles applicables, il faut que les dossiers soient bien établis. Sinon, ça ne passe pas le contrôle financier. Et l'engagement de dépenses n'est pas autorisé. Et c'est en cours de résorption et ça va très vite.
Je sais que la semaine dernière, vous avez certainement entendu parler d'un grincement de dents au niveau des personnels de l'hôpital, parce que le CDE a pris ses fonctions, rappelant les règles de la dépense. Mais je rassure, le personnel a été payé, en temps et en heure. Et c'est là où on découvre qu'on est capable de bousculer une administration en interne pour qu'ils fournissent les dossiers en temps et en heure, pour que les choses se fassent. Donc c'est une bonne chose, il y a un contrôle qui se fait de plus en plus. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, sur la situation des médecins, les conditions des contrats de travail. Donc les choses se résolvent à vitesse grand V. Merci. Nous passons à l'article 1er. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à ce projet de délibération, je crois qu'il y a une confusion qui est entretenue ou pas, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut nous donner un exemple type d'un médecin qui viendrait de France et qui ferait son stage ? Combien il gagne et quand il fait son stage, combien il gagne après la titularisation ? C'est comme ça qu'on pourrait quand même comprendre un peu le système. Et deuxièmement, si ça ne touche que trois praticiens hospitaliers, comment ça se fait que quand on a une centaine d'employés au CHPF qui est toujours, et je suis désolée de répéter, en CDD à répétition, ceux-là, il faut toujours qu'ils attendent. Parce qu'il n'y a que trois praticiens hospitaliers, tout de suite, on met en place un projet de délibération pour justement conforter leur salaire. Alors, j'aimerais bien qu'on me réponde aux questions. Je crois qu'il ne faut pas confondre les dispositions. La délibération qui est prise ici, c'est un acte précis qui permet de lever les conditions d'un blocage de recrutement à ce niveau-là. Je rappelle que pour les ANT, on avait la même situation. Donc, ils étaient tous bloqués entre le 9e et 10e échelon. Or, il se trouve qu'il faut rédiger de la même manière lorsqu'ils sont stagiaires. En ce qui concerne les contrats CDD à l'hôpital, c'est bien cela. L'obligation, c'est bien de passer par la voie du concours, ou un concours d'intégration. Ici, ils ont la qualité de stagiaire, c'est-à-dire qu'ils ont passé le concours. Je dis, c'est un concours sur titre. C'est deux choses distinctes. Maintenant, pourquoi a-t-on un volume de CDD si important? Je viens de le dire, il n'y avait aucun contrôle. Depuis l'instauration du CDE, on peut suivre et exiger de la direction de l'hôpital ces postes doivent être mis au concours. On avait cette fâcheuse habitude de ne les pas mettre en concours. Donc on faisait du CDD sur CDD. Il faut rappeler également qu'une décision primordiale a été prise à l'époque par un gouvernement. Tous les contrats de l'hôpital étaient soumis à vérification de la direction du personnel. Tout devait être vérifié avant d'être engagé. On n'avait pas le droit d'engager la personne. Regardez la régularité. Il se trouve qu'un président a pris la décision de retirer la compétence du personnel et de confier totalement à l'hôpital. Conclusion, on a découvert des contrats qui marchaient sur deux postes. Et là, c'est parti en live. Maintenant, il faut ramener les choses. On a laissé l'hôpital, au titre de son statut d'autonomie, faire ce qu'il souhaite. Et ensuite, canique, il demande au pays, j'ai plus les moyens. Ben forcément. Rappelez-vous les procès qu'on a perdus. Et on a toujours ce stock-là. On a mis en place des concours d'intégration pour les secrétaires médicales. Parce qu'on avait découvert qu'il y avait des gens qui étaient recrutés comme ça, sans base juridique costaud. Alors, il va falloir créer les postes. Il fallait obliger de mettre les postes en concours. Quand un poste est en concours, au moins, on a une porte de sortie. C'est toute cette difficulté qu'on essaie de résoudre. Mais je peux dire aujourd'hui que les choses vont beaucoup plus vite avec la présence du CDE. Donc je sais qu'il y a encore un volume de CDD. Mais qu'allons-nous proposer? Soit un concours d'intégration. Il faudrait que les agents, au moins à minima, le réussissent. Parce qu'à la question posée dans le dernier concours d'intégration PSG, on me sort Paris Saint-Germain. Non. On travaille à l'hôpital, mais quand même, on a notre protection sociale généralisée. Et même la santé était horrifiée. Parce qu'on parle, qu'est-ce que c'est que le SAMU? Alors, je ne vous dis pas les réponses. Et pourtant, ce sont des gens qui ont 2 ans d'activité. Minimum. Dans le domaine médical. Par moment, on peut être désespéré. Hein.
Et pourtant, ils ont leur utilité, mais il faut les amener au niveau. J'ai demandé à ce qu'on mette des formations pour les accompagner à ce passage-là. Mais on va vers la résorption. Les choses s'accélèrent. Voilà. Donc, je sais qu'il y a encore un volume. Et de temps en temps, ils viennent nous voir. Eh bien, on va trouver ensemble la solution. Merci, Monsieur le représentant. -136 APF du 21 novembre 1996 est abrogé. Merci, la discussion est ouverte. Pas d'intervention, nous passons au vote. À l'unanimité. Merci, article 2. Article 2, le dernier alinéa de l'article 9 de la délibération numéro 97-198 APF du 24 octobre 1997, suivisé, est abrogé. Même vote. Adopté, article 3. Article 3, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, même vote. Sur l'ensemble de la délibération, 47 voix pour. Aucune voix contre, aucune abstention. Merci. Donc, il nous avait été demandé de suspendre notre séance pour rejoindre Papenho. Donc, je sais que la réunion commence à 7 heures. Qu'est-ce que vous pensez de reprendre notre séance demain à 9 h? Heure de Polynésie française, demain 9 h. Je suspends notre séance. Nous nous revoyons demain.